C'est pas du tout la bonne scène. La bonne scène, c'est celle-là. 16 neuvième. Que je vous lise dans le chat. Ah, je pourrais mettre dans une vocale. Merde, j'y ai pas pensé. Ah, merde, Oum. Lancé trop vite, mince. Ouais, ah oui. Je serais ravi d'avoir des aventures, Nash. Tu passes quand tu veux. Non, mais il serait bon que j'ouvre aussi une vocale. Enfin, on va voir. Et le jeu se lance. Génie Max. Là, 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 là. Je sais même plus à quoi ressemble mon héros. C'était un vieux. Ah oui, j'ai oublié de remettre le. Oui, attendez. Ah, pas car à la pâte, j'ai failli faire tomber ma batterie d'appoint. Il a failli y avoir un instant drama. Voilà. Le temps de chargement de Tezo plus long que les scénettes de Final Fantasy. Ah mon Dieu! Ah. Pouah, ça fait combien de temps que je suis pas connecté à tes os? Bonjour, Popon. Ah! C'est extraordinaire ici online. Ah, j'espère que tu vas bien, Poupon. Merci à toi d'être là. Il marche bien ton son, Poupon. Faut que je vous en fasse d'autres. Tout à chacun, faut que je vous compose des sons. Bah, semaine après semaine, ça viendra. Je ferai le tour de tous les VIP et puis je vous attribuerai un son de bonjour. Mais j'ai encore eu un bug avec celui de Saul Goodman ce matin à ma prise d'antenne. Je l'ai déclenché accidentellement et c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Zoubi Popo. Mais alors? Mais qu'est-ce que c'est que ce chargement de l'infini? D'ailleurs, je vois même pas la diode disque dur bouger. Mais vous êtes sérieux, le chargement a bugué là ou Non mais c'est pas raisonnable d'avoir des. Oh là là. Le jeu est en train de s'effondrer sur lui-même. Il est tellement lourd en 100 gigas là que. C'est impossible. Non mais vous êtes pas sérieux. Attendez. Je comprends plus là. Ah, je vais mettre le Tezo de côté. Voilà. Non, il n'y a pas de message d'erreur, il n'est pas buggé. Je vais en profiter pour vérifier le coup du Discord. Que je vous mette une vocale. Ah, bah mise à jour de. Mon Dieu. Ah, on y croit. On va avoir du Tezo. Ouf.
Oula, vous m'avez harcelé de messages. Alors, attendez, je regarde rapidement. Je me permets, les joies du direct. Oh! Je vois des belles choses. Waouh! Magnifique. C'est rigolo. Merci pour vos petits mots, les copains. Alors, attendez, attendez. Est-ce que j'ai une vocale dédiée à tes os? Je crois pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais direct Twitch. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus simple. Direct Twitch, allez-vous. Pour ceux qui veulent me rejoindre dans la causette des. Alors, on y retourne. Tac, 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 tac. Quoi? Changer de zone. Je n'ai plus tes os plus. Du coup, je peux pas rejoindre. Ah, il faudra que tu me guides, Nachevman, s'il y a moyen de déverrouiller la situation de ton retard en fonction de ma localisation. Je t'écoute, je suis prêt à te lire, Nash. Coucou, coco, lolo, nanel. Bonjour. Ah bonjour Nash. Merci à toi d'être au moins une voix pour me guider au minimum. Ce sera pas trop, crois-moi, parce que moi je m'y perds. Je vais rien guider. Hein. Ah bon? T'as pas d'idée pour sauver Torota du. Ah, pardon. Ah, ben, je trouve étonnant qu'il n'y ait pas le Vartenfell, mais. Et quelle est cette voix suave et sexy, dit Poupon. Bonjour, monsieur Poupon. Question suivante. Avec ou sans fouet? J'espère que tu viens à poil. Oh, à poil au breton. De bon poil, de mon poil, faut qu'il vienne déjà. Il a déjà entendu ce matin la voix suave et sexy. Ah, Jean-Michel Satur, ouais, tu J'ai fait exprès. Oh. Alors, est-ce qu'on peut pas essayer le coup de. Voilà, ce que tu suggérais pour Torota. Il faut peut-être que je me délocalise pour pouvoir inviter Torota. Faut être dans Message de une zone, on Torota va dire, de base du 77. jeu. Surtout, n'oublie pas de Normalement, venir avec ton mais jusqu'à gros présent, camion. Attends. Quoi, ce qu'une voix québécoise? N'oublie pas de venir avec ton gros camion. Viens, viens brûler des gammes. D'autres gammes. C'est une épreuve d'endurance. Faut que je m'arrête là parce que oui. Pouet, pouet, camion, je vais retomber dans le festival des salacités. C'est bizarre. Enfin, bref, bah, du coup, oui, à part aller dans les. À part quoi? Dans la zone de base du jeu. D'ailleurs, je sais même pas où je suis. Là, je suis chez les elfes noirs là. Je me Pas souviens vraiment de plus du solution. tout. Attends, c'est pas le puits de téléportation, ça? Retraite du magistère. Ah, je peux me barrer par là. C'était pas des portes. Ah non, c'est des trompe-l'œil. Ah, Cédric Mora. Je suis à Cédric Mora. Stylé. Faut pas que je revienne en Vivec pour que Torota puisse nous rejoindre. C'est la base Vivec, non? La base de. Bah de. Du jeu? Ouais, de par défaut. Non. Non, Ah non, la base. là où t'es, c'est une extension du jeu, ça. Ah.
Ça y est, j'ai le téléporteur. Où vais-je? Est-ce que tu as pris quelle faction quand t'as commencé le jeu? Breton. Breton? Ok. Dans ce cas, il faudrait aller à Strossemkai pour commencer toute la suite de quêtes. Ah, je vois, je l'ai là. Oh mon Ok. Dieu! Ça, c'est la zone de base du jeu. Après, je sais pas ce que t'avais fait là-dedans. Ah non, t'as rien fait! Et bah voilà, et bah on peut commencer par faire ça. Le palais ou l'oratoire? L'oratoire. Le palais, c'est juste une habitation. D'accord. C'est parti! Téléportation! Hop! Personne occupée. Ah bah merde. Perso, j'ai surtout passé des heures sur Neverwinter. Pas trop testé tes os, dit Poupon. Ouais, bah ouais. Neverwinter. Ouais, non, j'ai entendu de noms de renommée, mais j'ai jamais essayé. Je sais qu'il y a mon neveu qui adore le trait littéraire aux fins multiples qui est The Witcher 3, le 3. Mais ouais, je sais que c'est des jeux de grande qualité que, honnêtement, je pense pas que j'aurai la chance de les découvrir. J'ai d'autres souhaits. Mais bravo à vous aussi. Oh, ça fait Prince of Persia là! Bravo à vous si vous avez pu y goûter et tester. Mais on a passé d'une vie pour faire Yo! tous ces mots rituels. Il Comment ça vous? m'a pas vu. Ah! Ouh! Il pète le feu! Yo! Ouh! Ah! J'en fais une roulade arrière tellement tu m'impressionnes. Ah! Ça fait franchement le prince de Voilà. Perse. Ah, moi. Ce que m'avait attiré, c'est que Neverwinter. Ouais, gratos. Ah, d'accord, Poupon. Compagne d'un Achèvement. Mon Dieu, de la manière dont c'est présenté. On fait des choses sales. Non, Oh là là. Oh my je God. Ah. Avouez vos fantasmes inavoués, madame. Bon, elle te dira rien. Oh. Non. C'est pas un ninja. Elle a détalé quand j'ai posé la question sensible. Elle a dit non. Bah, écoute, je te laisse accepter le groupe et puis après, ben. Le gourou. Oui. Tu vois pas sur ton interface de jeu écrit en gros? Je vais par là-bas. Non, tu l'as pas Ah, vu. je peux créer un groupe, pardon. Merde, je sais pas si j'appuie sur le bon bouton, j'appuie sur deux touches en même temps. Oh. Attends, j'ai des trucs qui clignotent partout dans l'interface, je suis perdu. Là, du coup, Torota, normalement, ici, tu es censé pouvoir nous rejoindre. Hein. C'est vraiment les zones de base du jeu. Ça, Bon. tout le monde y a accès. Bonjour, Baston. Quoi? Ah, dépenser les couronnes de machin. Oui, oh mon Dieu. Oui, on était peut-être déjà dans un groupe, mais je sais pas. Mon Dieu, j'ai appris le Destin vous Kadjit avec les sourit, TKS. mon ami. Attends, je me permets d'ouvrir la caisse comme elle m'est offerte. Ah non, il me faut un espace libre Au d'inventaire, revoir, c'est mon toujours le ami. même problème. Ah, je sais plus jouer, au secours. Oh, j'ai appelé une monture. Extraordinaire, je suis à cheval. Waouh! Le groupe. Personnage, compétences, journal, collection, carte, groupe. Ah! Non, Toronto, les groupes, c'est différencié des guildes. Ça, Oui. les groupes, ça se fait, ça se défait, ça se refait, ça se redéfait. Ça... C'est un peu chiant la gestion, mais il faut la refaire. Enfin, il faut la refaire. Recherche Là, c'est pour d'emploi. être sûr qu'on soit tous dans la même instance. Ouais. Bah merde, pourquoi je vois plus ton invite? Laquelle? Bah de groupe. Bah, t'as accepté, donc t'es dans le groupe, regarde, c'est marqué. Yashgar, c'est toi? Oui, c'est pas encore un opposant Ah palestinien, oui, c'est moi. j'aurais dû mettre, pardon, le curseur, il me dit que c'est Nashaveman en. D'accord, pardon. Ah, c'est bien. Ouf, me voilà rassuré. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de. Ouvrir une caisse, c'est mieux que la lâcher, dit Poupon. Oui, tu m'étonnes. Ouf, me voilà rassuré. Alors, inventaire, il m'a dit. Mon inventaire est. Oh mon Dieu! 96 emplacements sur 100. Faut peut-être que je consomme un truc de début d'activité, là, qui donne un bonus pendant 2 heures temps réel. Bien vu.
vous mets un bonus qui, en une fois, là, qui me libère une case. Frottis d'indices, la bibliothèque de Prout-Prout. Hop, ton frottis dans ton sac. J'ai gorgé. Non, 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 monsieur Poupon, je suis pas un chevalier pervers. C'est un truc instantané. Chevalier pervers. Astique, mon dieu. Infusion tonique. Oula, j'en ai plusieurs des infusions toniques. Je vais y arriver. Ne perdons pas patience. Attends, j'ai tellement de trucs. Oh mon dieu. Oh mon dieu! Quoi? Teinture de ravage de santé. Non, c'est en cas de combat si je suis en PLS. Oi, 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 oi. Oh, j'ai pas un truc unique là à consommer. Ah, ça me bouffe. Attends, j'ai des trucs par divers. Divers. Oui, ça doit être divers. Non, glyphe, figurine, objet de siège, outil, trophée, appât, déchets, divers. Le divers du divers, c'est la pierre d'inscription. Oh mon dieu. Au secours. Oh, c'est pas clair. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une récompense, c'est lié, d'accord, je peux pas m'en débarrasser. Frottis machin. Ah, voilà. Enchantement. Nanana, 105 secondes. Quoi? Inflige 1000 points de dégâts de maladie. Mon dieu. Regarde-moi bien, Poupon. Ajoute 82 dégâts à l'armure. J'ai mis ma belle tenue rien que pour toi. Attends. Je me rapproche. Non, pardon, il y a un effet clou là, oui, il faut vraiment se coller à moi. Ah merde, je suis trop loin. Je suis largué, je suis largué. Du miel. Préparer des boissons. Ouais, mais Wouah, mais ça casse complètement le rythme, c'est un truc de fou. Bah, j'ai pas l'impression d'avoir un truc de bonus de départ là qui. C'est pas mon genre avec Barbie plutôt. Non, c'est bon, ça va aller, merci. T'as pas de cuisse de poulet ou de parchemin qui traîne? Regarde directement dans tes dans la catégorie consommable, ce sera plus facile pour t'y repérer. C'est l'espèce de bouteille. La bouteille. En dessous. Ah oui, merci. Bien vu. Après, si t'en as plus du tout. Ouais, c'est pas génial. Bon, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Après, c'est pas important non plus. Je vais virer ce déguisement dégueulasse, moi. Comment ça vend des coups en magie? Autant que je le boive bêtement, le machin, parce que ça va me causer préjudice. Non? Allez. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est ça, c'est dommage, ça. Pourquoi? Non, enfin, c'est dommage de le boire, ce truc-là. Ah bon? T'as augmenté tes coups en magie de 215%. Oui, mais pendant un temps limité, donc le malus va s'effacer. Et j'ai libéré une de mon inventaire. Ah ouais, t'aurais pu l'acheter directement aussi. Oui, c'est vrai. Dans le sol, hein. Personne le verra. Donc, monsieur Kadjit qui lâche les caisses là, pour reprendre le bon mot de Poupon. Comment je l'avais provoqué lui? C'était ça. Ah oui, caisse à toi. Bonjour mon ami. Vous avez l'air de me trouver agréable, même si vous savez que je suis un peu bancal. Ça me fait chaud au cœur. Ah! Je vois que vous êtes prêt à jouer. Excellent! Oh mon dieu. Qui je joue? Je joue la carte là. Élixir de survivant Rapido de la Côte d'Or. Ah oui, Rapide de la Côte d'Or. Ça. Poison mortel, la couronne, 25 flacons. Ça, c'est potion de triple restauration à couronne, il y en a 5. Et le dernier. Oh, un goir lumineux trouble. Vous allez devoir acheter une caisse à la boutique pour continuer, mon ami.
Un petit familier, ça. C'est sympa. Bah, c'est rigolo. Puisse la chance vous suivre. Oh mon dieu. Ah oui, il est là. Ah, c'est sympa comme cadeau, c'est rigolo. Le gouar tout jaune. Bon, bah, du coup, je te suis, Nash. Que faisons-nous, chef? Ah bah attends, parce que ça change tout, parce que moi je pensais que t'allais faire des trucs que toi t'as pas fait. T'as quel niveau? T'es quel niveau? T'es niveau 14, ok. 14? Ah. Alors, on peut faire des donjons si tu veux. Je te suis. Il faut juste que je retrouve celle là-dedans. Chemin rouge. Oh. On pourrait faire. Est-ce que t'aimes bien les araignées? Oui, j'aime beaucoup les arachnides. Ok. On va aller là. Il faudrait que tu te téléportes sur moi. Tu te souviens comment on fait ou Alors, je présume que c'est la carte. Ou dans le menu du groupe. Non. Ouais, dans le menu des amis, effectivement. Il faudra que tu fasses clic droit sur mon nom et rejoindre voyage rapide jusqu'à un joueur. Voilà. Okidoki, téléportation. Quoi? Oula, Poupou qui. Wouh! Nash, son pseudo, c'est pas le chevalier pervers. C'est pas mon jar, ou avec Barbie plutôt. Les araignées avec de la mayonnaise. En Bretagne, les araignées, ce sont également des crabes. Oui, bah oui. Effectivement. Bonjour, madame. Ah, bah oui, non, c'est tard. Ça c'est madame à moi, ça. Voilà, je viens de percuter seulement maintenant. Oh! Cette Quoi? vasque avec le feu dedans. Ouais, c'est le point de TP. Enfin, de réapparition aussi, surtout. Oula, il y en a qui sont en PLS. Qu'ils aient Un petit brisé. peu. Qui est-ce? Bah, il y a Qui une va quête là? à faire, donc je Oh te mon laisse dieu. la prendre et puis voir un petit peu ce qu'il en retourne. M'a fait flipper mon compagnon nouveau. Ah oui, c'est lui. Et je te Praxi! suivrai, du coup. Ok. C'est la guilde des guerriers qui vous envoie? La maison de guilde est prévenue? Que se passe-t-il ici? Nous avons fait une terrible erreur. Nous pensions nettoyer une simple infestation d'araignées, mais c'est bien pire. Les chuchotis, ils ne cessent jamais. C'est à devenir fou. Nous sommes sortis, mais notre commandant, le gardien Sudarim, est toujours dedans. Pause. Je suis pas convaincu. Est-ce que vous entendez bien les voix? Il a l'air faiblard, le mec, quand il parle. Est-ce que je dois augmenter le son du jeu? J'ai un gros doute. Que puis-je faire? Les guerriers sont épuisés. Mais si vous entrez dans les grottes et éliminez les araignées, nous brûlerons les œufs. Si le gardien Sudarim est toujours vivant, nous devons le trouver. Ah, j'ai trop N'écoutez de... surtout pas Attends. les chuchotis. Ils vous J'éloigne rendront le fou. micro. Mais vous entendez les personnages de Tezo, on est d'accord. Moi je les entends faiblement, alors c'est pas un trouble pour moi, mais. Oui, il est sérieux, oui, Poupon, oui, on te croit, oui, Nash a une voix trop forte. Non, c'est peut-être même moi dans le Discord, je l'ai peut-être amplifié pour une. J'ai pas à corriger depuis. Mais bon, s'il dénoue son micro, ça ira. Je suis pas sûr. Faut voir. Bon, bah je vais peut-être diminuer un peu ta Oula, voix non, alors. même pas. Non, je viens de m'entendre là. Non, 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 c'est trop fort. Bon, alors attends, je vais diminuer ta voix dans le Discord. Minute papillon. C'est pour ça que ça saturait tout à l'heure. Je comprends mieux. Minute papillon. Les joies du direct. Alors. Voilà. Là, ça doit être mieux. Pablo espagnol, comment está en la casa? Ouais, c'est fort. Je trouve que c'est encore fort. Ouais. Enfin, quand je m'entends, ouais, c'est fort. Eh bien. Je pense qu'il faut au moins diviser.
le volume de mon son. Nash a des parties de son corps qui demandent à être amplifiées, effectivement. Je ne relèverai pas Poupon parce que c'est pas vrai. Par contre, si t'en parles, c'est que tu dois bien y penser. Oh. Voilà. Donc, il disait, n'écoutez surtout pas les chuchotis, vous rendront fou. Très bien, allons-y. Debout, Tren Savat. On y retourne. Bordel, chuchotis. Je sais même pas si ta quête, je peux la voir une deuxième fois, moi. Je crois pas. Nettoyez la première grotte. Surtout, vous partez quand vous voulez. 3, 2, 1, top. Ça y est, tout le monde fait la course. Ouais. Kazak blanche prend la tête de la course. Franchement, ça fait l'effet là. Ah, c'est quoi mon bâton? Oh, ah oui. Toujours les marronniers. Oh là là, elle nous a jeté un foie. T'inquiète, je te couvre en cas de pépin. Alors, ah oui, je peux faire des roulis-boulets. Oh yeah. C'est quoi le cadeau? Carapace. Seigneur, est-ce que dans ma toile, de nouveaux jouets? Mon dieu. Bon, ça, c'est Christella qui me dit. Ah oh. Vous êtes bien au courant tous les deux de certaines choses. Écoute. J'ai pas le souvenir d'avoir envoyé des photos, Christella, d'ailleurs. J'étais sous l'emprise d'un maléfice. Ah, ah, ah. Oh, les cocos. J'étais envoûté. Bon, bah, les cocons sont flambés. C'est du cocon flambé. Ouf! Cet assaut de citrouilleux. T'as pas senti un courant d'air passer à côté de toi? Ah oui, ah oui, oui. Complètement. Ah, mon ouragan. Ah. J'aime bien les compagnons qui pompent dans la bataille, qui se promènent tranquille. Merveilleux, lui. Piste, puis Breton. Gris tempête. Ah bon? Ah, une pièce d'antiquité, j'ai gagné. Quelque chose de breton. Mais il y a encore déjà rien. On verra ça après. Aïe! Oh, ce crachat de venin d'Arcade. Oui. Tu peux les patates à un menu, je crois rien. C'est beau. C'est bien. Hein. Je vais me mettre avec le bateau. Oh. Ah, je tire dans le. Oh mon dieu. T'as tiré sur qui? Bah, dans le vide en fait. Parce que l'ennemi a disparu. C'est ce qui m'a troublé. Ah oui, mais faux cocon, gars. Il a raison en même temps. Éradication. Génocide! Génocide des arachides pour la vache! On n'a pas loupé la maman. La maman araignée. Allez, méga char. Dans sa face. Un duel. Non, il y a que des machins ridicules. Attention, pasteur, le mec. Oui, joli. Cadeau, octarine, carapace. Escouade, par ici. Ah, alors. La tresseuse. Mmh. Des gants de prière. Ah bon? Je vais bien tresser la face à celle-là. Ah, j'ai pas assez de place. Oh oh. Alors attends, bouge pas si tu veux, je peux te filer le banquier. Hop là. Banquier. Pas inquiet. Bon, il est pas suisse lui par contre. Hein. Oh, magie max pendant 35 minutes, ma soupe à la tomate. Oui, ah, oui, ça, oui, je la bois, je la bois. Je bois de la soupe. Voilà, tomato. On voit mon perso qui se délecte de son miam. En fait. Alors, monsieur le banquier, où êtes-vous? C'est le chauve. Mon dieu. Discutons un peu ensemble. Merci. Voilà. Bank! Comme au maillon faible. Alors, oula,
Attends, qu'est-ce que je peux faire? Espace en banque. Ah, il m'en reste pas la moitié. 61 sur 120. Oh, c'est bon ça. Alors non, non, dépôt, dépôt, dépôt. Le bon onglet, s'il vous plaît. Je vais déposer plein de trucs dont j'ai plus rien à péter. Ah, empiler tous les objets. Empilons, empilons. Ah bah ils sont déjà empilés. Eh bah dis donc, c'est pas rassurant. Oui, alors les demeures disponibles à l'achat. Comment ça, je peux pas déposer l'objet? Oh non! Ouais, des choses, ouais, c'est un peu relou, on peut pas le faire. Oui, c'est relou, oui. J'y confirme si tout te. Ça, je peux? Ah non, je peux pas. Bon, alors je vais cliquer au pif. Oh, bon, des ingrédients, des bâtons. Si un jour j'ai besoin. Voilà, des ingrédients. Hein. Je ferai de la popote plus tard dans le jeu. Oh mon dieu! Banque pleine. Déjà? Alors, attendez, attendez, attendez. Retrait. Est-ce que je veux retirer un truc qui pourrait m'être intéressant? On sait jamais. Parce que j'y suis allé avec frénésie, mais je vais peut-être reprendre des trucs qui sont valables. Niveau 9. Voilà, ça c'est fait. Eh, je pourrais acheter de l'espace en banque, hein, sérieusement. Je sais pas, à voir. Bâton de foudre en érable. Faut vraiment y jouer régulièrement parce que le jeu est tellement dense que pour garder l'habitude, les bons réflexes, il faut. Oh là là. Il faut un entraînement constant. Oh, botte du profanateur. Waouh. Bon, je suis un peu beaucoup perdu. Oh, j'ai des ciseaux de couture et la sixième maison. Le grand vilain Dagot. Oh. Le grand grand vilain descendrait. Waouh. Oh, de la guarana. Énorme. Énorme, énorme, énorme. Voilà. Oh, j'ai de ces trucs. Préparer des boissons. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ces objets permettent de créer des objets de tout style connu. Oh là 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 là. Parchemin d'expérience de. Alors, toutes les sources rapportent 50% d'expérience supplémentaire pendant 2 heures. Ah, c'est ça qu'il faut que je consomme. Le parchemin d'expérience. Allez, soyons fous. Je vais m'acheter encore des emplacements pour 32 000. 37 000, allez 140, allez zou, après j'ai plus de fric, on s'en fout. Voilà, je monte à 140, donc je continue, dépôt, dans les trucs qui m'encombrent. Oh, il y a des jeux, ils sont tellement sophistiqués, tu te dis, il faut bac plus 50 pour les maîtriser, quoi. Tu y passes ta vie. Nanana, nanana, ah oui, je me suis pas amusé à faire la pêche, je crois. Le sel, le sérum de santé, nanana. Ah, petit palsème de santé. Ou teinture de santé. Non, bah alors, attends, je vais les garder. L'été, c'est pas mal. La viande rouge, je vais la ranger. Et ben voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal, pas mal. Là. Les carapaces, ouais, bah tu vas me dire, je vais en avoir plein. Ouais, carapaces, j'aurais peut-être pas dû les ranger parce que je vais en avoir 50 000, oh, c'est pas grave. Ouais, mais ce truc-là, après, de toute façon, c'est considéré comme du budget, c'est uniquement à vendre. Niveau 14. Ah bah c'est pour moi ça. Il faut que je gère bien. Attendez, un inventaire. Merci, tu peux renvoyer si je puis le dire. Offrir des vacances à ton banquier. Équipé. Voilà. Là, je préfère plutôt s'accompagner à elle. Voilà, tu m'étonnes. Oh, ça va, c'est pervers. C'est ça, le banquier qui te répond. Non, monsieur, je ne gère pas ces bourses-là. Oh putain. Ouais, ils apprécient quand Excuse-moi, même quand mais elles sont pleines, les bourses c'est aussi. ça, c'est une circonstance. Personne n'a encore eu l'occasion de mettre les mains dessus. Ouf. Laissez-moi faire monter les intérêts. Ouais, c'est ça, exactement, bien dit. Ah, beau bourse, c'est ça, bon. Mon Dieu, mon Dieu. Ah!
Les arachnides sont de retour. On va les monter à l'étage dans les boîtes. Oui, c'est ça, ce sujet de l'histoire va exploser tout, c'est bon, tu as raison. Donc, comme dirait monsieur Balladur, je vous demande de vous arrêter. C'est ça. Ouch. Ne traînons pas. Je sens déjà votre délicieuse peur. Oh, cette voix. Ah, mais c'est la chuchoteuse, celle. Mais elle chuchotera moins longtemps. Ah. Quand on lui mettra un bâton et une hache dans la tronche. Alors, des os de ce que je vois, c'est vrai qu'il est beau. Mais je dois vous avouer que je suis beaucoup plus envoûté par les décors et l'atmosphère de Skyrim en hors ligne. C'est... Enfin, ça ne tient qu'à moi, hein, de ce que je connais de la saga de Elder Scrolls. Aïe. Un jour, on aura l'occasion d'y aller. Mmh. T'inquiète pas, je travaille ta vie. Merci. Pou. Ah. Ouh. Aïe. Boum. je le dévie parce que bon, il y a une malheureuse qui est quick. Oh, c'est quoi ça? C'était un ancien pilier serti de gemmes. C'est étrange. Non, c'est un coffre ça. Ah. Ou alors j'ai un décalage. Mais c'est un coffre qu'on peut pas accéder. Oui, il est condamné, il est tellement castré au sol qu'on peut pas l'ouvrir. Bah écoute, à toi l'honneur. Hein. Bah merci, mais tu m'as dit qu'on pouvait pas. Pas quoi. Ah mais non, mais le coffre, non, le coffre on peut tout ouvrir. Ah oui, il est pas. Oui, à avancer dans le. D'accord. Ouvrir la marche, d'accord. Oui, pardon. Oui. Qu'est-ce que... Oh mon dieu. Mais non. Ah. J'avais le regard où il fallait. Ah. Mais elle fait des bons, c'est horrible. D'ailleurs, certaines araignées en sont capables. C'est horrible. Ouais, bah c'est tout petit. Oui, elle a un sacré abdomen. Oh, elle a eu le temps de se retourner pour me piéger la gueule. Alors oui, les no bite. Ah! Au secours, elle vient me croquer en face à face. En face to face. Ah, l'imbécile a oublié de consommer son parchemin de bonus. Je l'ai pris, mais je l'ai pas consommé. Merde. Ah, c'est mimi, les bébés qui descendent sur leur foule, c'est trop bien fait. Ça, pour le coup, c'est vachement réaliste. Ah! Je suis dans le cercle de merde, d'influence. Ouais, si tu peux t'y enlever, ça serait bien. Oh, mais arrête d'aller le chercher! Regarde-moi plutôt! Ah, elle essaie de tenir de fruits et tout le point, la vache! Elle essaie de m'emprisonner la vilaine! Ah! Vite, je loupe mon parchemin d'expérience. Attention, par contre, si tu recules trop, ça va la réinitialiser. Ah, oui, effectivement, c'est dangereux. Utiliser. Bon. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je reviens dans l'arène de combat, je reviens. Ah, elle te lâche pas quoi. Ouais, je ouais, pense qu'elle a le dégain pour toi. Elle m'a bien, la miche araignée. Ah, je suis accueilli dans le décor. Dangereux. Ah, au secours, je suis dans son côté. Jeanne Moreau, es-tu là? Jeanne Moreau. Ça parle mal. Une de ces migraines. Je me demande. Nous reverrons un jour. Nous allons nous en sortir. Ne laissez pas les murmures vous troubler l'esprit. Concentrez-vous plutôt sur des idées agréables. Mais oui. On va poser une table et festoyer là maintenant. Banquet. Qui c'est qui a grillé? Oula. Mais ils sont fous. Waouh. Mais c'est grand par ici. Oh, une lumière du jour qui transperce un peu le plafond de la grotte. Waouh, ça me rend fou cet endroit. C'est original comme jeu de lumière. Mmh.
je l'ai fait un roulé-boulet sans vouloir. Attendez, je suis perdu là. C'est tellement grand. La boussole dit quoi? Elle dit aller là-bas. Quoi, la suite? C'est la saucisse quoi? Ah, de la saucisse cavalier. Oh mon dieu. Oh, lui il est en PLS. Oui, il est mort, on peut plus rien faire pour lui, le pauvre. Non, mais c'est bon. Mmh. Wow, le carnage. On dirait la sortie de la grotte, mais je suis pas sûr. Non. Oh, oh. Tuez-les tous. Aucune pitié. Bizarre cette voix. On pourrait l'associer à une sorcière, à... Comment on appelle ça dans Skyrim, là, les femmes... Les affreuses. Ouais, c'est ça, les harpies affreuses. C'est... Oui, c'est pas faux. Pas de problème. Le chant de la chuchoteuse, troisième couplet. Mais pourquoi? Non. Ah bah c'est bien, j'ai même pas eu les premiers couplets. Mais pourquoi un coffre de parler, j'aurais eu de malheur? Tout le monde est faible. Oui. Oula. Fantassin corrompu. C'est l'étranger droit. D'ailleurs, Skyrim démarrait avec une grotte, avec une grosse araignée. Je me souviens. Non. Tu sais, au début, il y avait des loustiques qui étaient prisonniers dans la terre. Ah, il y a 2-3 araignées. Mais ouais, par contre, ouais. Mais non, parce que c'est le. C'est pas tout à fait ça. Là, une grosse araignée comme là, on a pu affronter, c'est dans un autre endroit. Oh. Alors, le jeu t'invite à y aller effectivement dans la suite de l'histoire. Ouais. Et là, il y a un bonhomme à délivrer, effectivement, mais c'est pas ici. Il y a Cerise de Groupama. Bienvenue. Ah, encore un cercle d'influence. Toujours bouger dans le totem. Les combats de mêlée. Du mouvement, de la vie. Aidez-moi! Je résiste. Personne ne plus de chalet de mon. J'ai pas vu que t'es où? Moi aussi, je suis perdu. Je bataille du Bibus en rouge. Ah, il reste pas. On dirait Gargamel le mec. J'ai vu le dos. Hein, mais... C'est pas flatteur ça. Ah. Ouf. Mon compagnon là qui l'écrabouille avec un mépris absolu, il le piétine. Waouh, cette scène de chaos! Mais qu'est-ce que j'ai? Mais ils sont combien dans ce jeu? La chuchoteuse! Regarde. Beaucoup trop! Ah oui, c'est un village là, c'est brûlez ça! Oulala, c'est sport par ici. Heureusement que t'as un pilier pour un peu parler. Ah, t'es parti en plein sur les ennemis là. Ouais, moi j'ai un petit contrôle là au basque. Une demoiselle, je veux voir. Un peu important. Ouais, c'est un individu. Ouais, c'est pas à l'abri d'un autre madame dans le jeu aussi. Hein. Ouais, la qualité de combattant, ce que je redoute le plus. Waouh. Oh, les malheureux. Mon Dieu. Vous n'êtes pas fou. Vous n'avez pas un coffre depuis le début. Ne vous atteignent pas. Bah, on dirait bien que vous étiez arrivé, malheureux. Tous les gens que vous venez d'achever étaient mes camarades jusqu'à ce que nous venions ici. Cet endroit, les chuchotis, ça les a rendus fous. Les rares parmi nous à ne pas avoir perdu l'esprit. Furent capturés et suspendus. Puisqu'on en parle, vous pourriez me faire descendre. Ça pourrait être un nom délicieux, les chuchotis, pour des friandises. Je trouve que ça sonne bien. D'accord, je vous libère, Meryl. Par la graine et le sang, comme c'était désagréable. J'ai des fourmis dans la queue. Oula. Ce que j'entends. Je tiens à peine debout, alors pas question de me battre.
Continuez sans moi. Trouvez les autres survivants. Notre chef, Sudarim, est certainement en vie. Sauvez-le, si vous le pouvez. Mais pourquoi les chuchotis vous rendent-ils pas folle ? Meridia me protège. Je défends sa cause contre les Dédra. Et elle m'offre ses bénédictions. Vous pensez que les chuchotis viennent d'un Dédra ? Je ne le crois pas. Je le sais. Je peux sentir son odeur. Au revoir. Ah mon dieu. Hop là. Attends, je te vois bouger. La cible au niveau de la boussole est loin. D'après toi, ce serait par là-bas. Oh oui, mon dieu, il y a encore des villas. Ça va ? Il y a plein de villas. Ah oui. Ah, c'est terrible, hein, les salles d'influence qui me ralentissent. Vous devez le voir à l'écran, pour ceux qui suivent les aventures avec une personne folle, j'ai envie de dire. Oh, c'est quoi cette attaque charnée ? Ça, c'est le gros barbu, ça. C'est juste une chèvre qui porte une armure, c'est tout. Oh ! Magnifique, il m'a fait une attaque digne du chevalier Andromède dans Chevalier du Zodiac là. Il m'a fait une attaque de chaîne, il m'a tiré vers lui. C'était beau. Ah, ça commence par les chaînes et puis... Ça finit avec le fouet au clou rouillé. Oh mon dieu. Amenez-les devant elle. Maintenez pour prendre l'avantage. Appuyez code de souris. J'ai pas tâté la madame. C'est horrible. C'était une vilaine. Ouh là, il y en a des choses à. Ouh là là, ouh là là, oh les dépouilles. J'ai pas tâté beaucoup trop de madame. C'était horrible aussi. Wouah! Ah, il y a un coffre là. Bon. Oui, effectivement, mais ce sera après la bataille, je crois. Ah, bon, d'accord. Oui, je pense qu'il y a un peu comme avec Final Fantasy. On est capable de venir sur place et après c'est la récompense, pas l'inverse. Hop là! Soin d'extrême urgence. De la tête pour bien viser. J'ai mon bâton qui fait pic pic là avec les petits sorts de vampirisme de vie, mais. Bouh des dieux. Ah, alors. Qu'avons-nous là, Canigula? Oh. Un petit chapeau artisanal vital. Je suis intrigué. Vêtements. Alors, chapeau artisanal d'un niveau 14, enchantement de santé maximale ajoute de la santé, alors que moi j'ai un truc qui me rajoute rien du tout. Ah bah je vais m'en équiper, dis donc, si j'ai un bonus de santé. Eh oh. Bah ouais, carrément. Bah oui, de le bouder. En plus, ça me donne un nouvel aspect, non? Tu sais pas. Mais j'ai la chance d'avoir un bonus de vie. Oula, eh oh, c'est cassé par ici. Oh, eh, c'est pas mal. En sus, je le pensais, hein. Ah ouais, c'est beau. C'est pas mal. On dirait qu'on marche dans un truc figé dans le temps. Bonne idée de la direction artistique. Très bonne idée. C'est magique. C'est quelque chose de bien psychédélique. Alors bougez. Je vais prendre des projectiles en pleine poire. Mais... Ah, encore un malheureux qui est le pilori là. Sang et foi, vous êtes vraiment là? Vous m'entendez? Je vous en prie, faites-moi descendre. Vous allez bien? Vous n'entendez pas les chuchotis? J'ai échappé à la malédiction grâce à la bénédiction de la grande Mérid Nunda.
J'entends en effet les chuchotis, mais c'est comme le bourdonnement des mouches et non comme la folie des hommes. Je vais vous libérer. Oh, je crois que j'ai le bras cassé. Maudit chuchotis. Père, Sudarim. Mon père est quelque part dans les environs. Ah bon? Je l'ai entendu m'appeler. Enfin, je crois l'avoir entendu. Ou était-ce simplement des chuchotements? Peut-être finissent-ils par m'affecter. Montez, allons trouver votre père. J'aimerais, je veux le faire. Mais je suis si faible. J'ai été piégé ici si longtemps que je ne peux même plus voir correctement. Ah bon? Vous devez avancer. Découvrez ce qui se passe et arrêtez tout. Mais je vais vous donner quelque chose avant de partir. Une bénédiction de la guilde des guerriers. Au revoir. Pour le sang, pour la gloire, la force et le pouvoir. Nous, la guilde, combattrons avec devoir. Pour le bien ou le mal. Qu'est-ce qui nous chante cette sérénade, lui, là? Nous, la guilde, combattrons avec devoir. À condition de notre solde recevoir. Père! Ah mon dieu, pire commence. Ah mon dieu! Non! Je m'en vais. Et moi alors? Je suis déjà là. Ouais. Oh! Oh, on dirait dans Diablo, la maîtresse de Diablo, là, comment elle s'appelle? La femme de l'arène. Oui, mais j'ai oublié son nom. Oui, j'ai oublié son nom aussi. Oh, je la voyais tout de suite, là, elle était très bien modélisée. Ah, oh, ça fait tellement diabolesque comme ça. C'est pas Lilith. Non, c'est pas Lilith, c'est... Ah, j'ai oublié. Divine Lilith. Allez, elle arrive, la cocotte. La vilaine. Bon, fais gaffe, en tout cas, c'est le boss. Bah, je sais plus. Ah! Ce flash de lumière paralysant. Oh! Magnifique cette attaque. Attention, reste pas dans le cercle par contre. Aïe! Elle a un peu plus énervé. Oh, superbe! Oh, j'adore! Oh, c'est trop bien ça. Le pire c'est que j'ai des attaques qui ne sont même pas, je suis obligé. Des attaques spéciales. Attends, je vais appuyer sur les bonnes touches. J'ai appuyé un peu pas sur le plus là. Je fais plein de sorts. Allez où je dépense mon point de sort. Attends, ça sert. Oh c'est génial. J'adore l'animation de l'attaque. Il nous en met plein la vue là, madame. Aïe. Wow. J'ai eu un retour Windows. Non. Si, ça s'est tout bloqué d'un coup là. J'ai été seul pendant 2 secondes. Non, même pas. Pas sur ce coup là. Ah mais Miri, je te permets pas. Pas que tu tombes. Ouais, donc tu prends ma tête. Sorts, du moins, je Ah, bien vu, JJ. Merci de quoi d'abord. Ah, bah, moi, chuchoté maintenant. Ah, oui, ah, tu m'entends, on l'a bien fait taire. Il y a un anneau. Et il y a le coffre en plus, ça, c'est bien. Ah. Mère de la nuit, ajouté au triomphe des indépendants. Alors, le nano, il est où le nano? Je veux m'équiper de l'anneau. Bijoux. Ou bien la reine alien. Ouais, c'est vrai. Et pour faire penser à la reine alien. Ouais. Anneau de prière. Enchantement, récupération de magie. Augmente la magie. Ça fait partie d'un ensemble. Mais oui, mais je veux bien, moi. Que je sois surpuissant. Merci pour les GG, Poupon. La reine alien. C'est quoi cette porte? Cette porte? Ce sera pour plus tard. Oui. En fait, il y a certains donjons qui ont 2 niveaux, entre guillemets. Oh. Où en fait, là, on a fait. Enfin, tu as fait une partie de l'histoire. Et en fait, quand on aura atteint un niveau plus élevé,
il y aura une... Un deuxième service. Comment dire ? Ouais, il y a un deuxième service, en gros, avec une histoire qui est, en gros, la suite, plus ou moins officielle, du truc. Avec des ennemis différents, des boss différents, et il y aura l'accès derrière à la porte. Voilà. D'accord. Merci pour l'info. Voilà, voilà. Et là, du coup, ce que t'as fait, c'est le premier niveau du donjon. Du coup, bah, tu as validé parce que tu l'as terminé. D'accord. Quête comprise. Merci pour tes lumières, Nash. C'était un cauchemar. Un cauchemar. Je vais en profiter pour regarder, du coup. Praxine et son escouade ont succombé aux chuchotis. Je me sens violé. Les choses que cette créature a fait à mes soldats et à moi. Je ne retrouverai jamais le sommeil. Merci. Ah, on peut pas en faire sans vous... beaucoup, en fait. D'accord. Non, je ne veux même pas y penser. Là, c'était le hors-d'œuvre. Ouais, bon. Accomplir la quête. Vous recevez des chaussures de tueur d'araignée de spéologue. Le niveau d'après parle de vampire. À présent que vous m'avez rendu la vie. Mais il faudrait être niveau 41 pour tout débloquer. Oula, c'est pas pour aujourd'hui. Je vais prendre 40, pardon. J'ai regardé mon 40. Une nouvelle expédition. La guilde des guerriers boudoie une première chandelle, mon ami. Qu'est-ce que c'était ? Un monstre. Sans doute quelque vile bête venue des profondeurs les plus noires de Les cachons interdits, alors ça va te plaire, je ça. Je ne peux imaginer comment il est arrivé ici. Et j'ignore qui pourrait faire une il telle chose à nos soldats. Au revoir. Alors... récompense. Comment t'as gagné niveau ? Ouais ! GG. Mais qui ? Titre, aucun. Ah bon ? Tenue, une. Comment ça, déverrouiller nouvelle tenue ? Ah non, c'est le Tezo Plus, là, c'est la petite couronne. Ouais, 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 faut payer pour avoir des... En fait, t'as, tu préceptes déjà tes différentes tenues. C'est purement cosmétique. Non, puis je suis content avec ce que j'ai, moi. Expérience accrue et magie maximale augmentée. Je dis oui. Monsieur Poupon, de quoi vous parlez ? Oh, Poupon. Aïe, aïe, aïe. La question, déjà, tu la poses à qui ? À la madame araignée. Ah, merde, du coup, c'est... Ah, mais du coup, c'est un monsieur araignée. C'est chelou, cette histoire. Ah, oh, j'ai 6 récompenses au choix. Un bâton... Alors, inflige des dégâts, entraînement, tu es 7%. Eh, c'est pas mal. Il est pas mal le bâton. L'épée longue. Non, bah c'est le bâton que je vais prendre. Non. Bouclier, santé maximale. Augmente l'expérience que vous avez habitué de 3%. Non, je me vois pas tirer à l'arc. Le bâton de rétablissement du prophète. Inflige dégâts de magie en rang. Ouais. Et dague de prophète. Inflige des points de dégâts de Liven. Expérience ennemi tué. Non, je pense que le bâton infernal me plaît bien. Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Un peu de bien. Ah, plus fort en magie. Allez, je suis fou, je mets plus de en magie. Je suis fou. Dépenser les points. Vie. Alors. Qu'est-ce qu'il conseille ? Grâce, croissance enchantée. Oui, le coup des soins, c'est génial. Oh, mais t'es parti sur un maître arboriste. D'accord. Eh ben, croissance enchantée. Attends, je vois le truc. Ah oui, en passif. En passif. Lorsque vous soignez, soignez un allié pendant 15% avec compétence d'équilibre, gagnez guérison majeure. Oui, j'ai failli dire majeure, mais ils ont une faute de saisie. Augmente les soins que vous pratiquez de 15. Oui, que je sois meilleur en soins. Oui.
Oui. Je veux être le maître des soins. Allez, bosquet isolé. Alors, compétence ultime. Vous avez débloqué compétence ultime, requiert une ressource spéciale pour être utilisée, appelée ultime. En accumulant pendant le combat, lorsque vous aurez assez d'ultime, vous pourrez utiliser la compétence ultime en appuyant sur le bouton aucun raccourci. Exemple de compétence qui est chargée. Ouais. Waouh. Vous devez à présent vous équiper d'un ensemble d'armes et barres de compétences supplémentaires, appuyez sur E pour passer de l'une à l'autre. Oh! Oh! C'est bon, ça! Waouh! C'est trop de puissance! Waouh, waouh, waouh! Donc, ça, par exemple, je peux le mettre là. Ah! Poupon fait Neverwinter. Bonjour, Poupon! Graine guérisseuse, ouais, je veux bien. Waouh, waouh, waouh! Compagnons animaux, ah, la trinité hivernale. La coupe de givre. Pardon, j'organise mes sorts. J'en connais que pour les spectateurs, c'est pas super passionnant, mais. Bâton de destruction. Non. Soins généralisés ou régénération. Alors attends, il y en a plusieurs. Soigner pendant 10 secondes. Oula, c'est énorme ça! Les soins généralisés, c'est complètement craqué. Ah ouais, ouais, je voulais mettre là, moi. Armure légère, ouais, bon, bah, ouais, non, c'est passif. Escroquerie, oh mon dieu. Oh, piège d'âme, ouais, ça peut être pas mal quand je veux mettre des... Ouais, j'essaie de piéger des âmes dans des gemmes au moment de les patater les ennemis. Ça vaut de la thune, normalement, les gemmes chargées. Don de Magnus. Ouais. Enfin, pas dans le jeu, en tout cas. Ah, Magimax. Ouais, je veux bien. Enchantement. Ouais, après, c'est des trucs passifs. Alors, je pense que je peux faire des attaques différentes. Je sais pas, je pense que je vais pouvoir mettre ça là. Voilà, excusez-moi, ça y est, je suis enfin sorti du menu. Et encore. Et encore, je suis en train de me dire, j'ai pas pris mon bon bâton là. Attendez, mon arme. Oui, je veux m'en équiper, j'ai le droit. Ouais, il fait quoi le bateau? Oh, il fait du feu. Waouh. C'est beau. Bon, la suite est par là, je présume, la porte de sortie. Ouais, on a terminé. GG. Oui, hydratez le sage, Poupon a raison. Merci. Ça y est, j'ai fini mon café du matin. Ah bah c'est bien, après je vais carburer au jus d'orange. C'est cool. Voilà, et franchement, Prince of Persia, là, excusez-moi, mais... Un petit peu... Ouais. En Perse. Est-ce que tu veux en faire une autre? Moi, je veux bien, oui, je suis une nage. Dis-moi tout. Ok. T'es rigolo? Ok. Invocation du cheval. La champignonnière. Je monte sur mes grands chevaux. Là. Hop. Je veux dire merci à vous d'être avec moi, mais je repense à visiblement il est de repos Bastos. Et c'est bien, il profite en diffusant, donc n'hésitez pas à lui faire un coucou si en même temps je vais lui faire sa coupe tout à l'heure. Sacré Bastos. Oh, j'espère voilà. Qu'on va se faire des gens en commun le mercredi. Tu peux te téléporter si tu veux. Ah oui, pardon. Quand on le voit tous ensemble mercredi, ce serait bien. Ah oui, mercredi c'est férié. Oui. Ah mais ça y est, on va entamer enfin les week-ends de pont, etc. Oui. Yes. Ça va être le viaduc du mois de mai. Ça, c'est bien. Il y a 15 jours fériés que je suis pas sûr d'être avec vous, c'est le lundi de Pentecôte. Ce sera mon fameux week-end où je serai absent dès le samedi matin, où il n'y aura même pas, je vous dirai, hein, où je pourrais même pas être là pour du Borderlands avec vous, les copains. Et je sais même pas si je serai dispo le lundi. J'en ai aucune idée. Ça risque de se faire à improviser. Si je suis dispo, évidemment, je me ferai une joie de me manifester à vous et puis prendre des trucs en commun le lundi férié, là, le Pentecôte, le dernier de mai. Mais
on verra. Ah, il y a peut-être une narration avant de patater les ennemis. Qui est là? Ouais. Ah bah dans chacun des donjons il y a toujours une quête. De mon expédition. Et peu importe le niveau d'ailleurs. Niveau 1 et niveau 2, il y aura pas un hasard. Je pense que vous êtes la réponse à notre problème. Cool. Quel problème, Madame Villa? Nous fouillons ces cavernes en quête d'un sanctuaire perdu depuis des âges. Mais des gobelins et des drogues occupent les lieux. Tu comprendras un jour pourquoi. Si vous tuez leur chef, ils pourraient vous laisser prendre sa place. C'est une vilaine. Et ensuite, Madame Villa. Plantez la tête du chef sur une pique à un endroit où toute la tribu pourra la voir. Puis menez-les à l'assaut contre les drogues. Une fois que le roi des drogues sera mort, nous serons libres d'explorer. Et de vous récompenser de belle façon, bien entendu. C'est une fan de Jeanne Masse. Elle est en rouge et noir. Je vais tuer les deux chefs. Les gobelins sont des animaux pathétiques, mais ils peuvent se montrer utiles. Qui êtes-vous? Nous suivons la voie des chimeurs, pas des faux dieux du tribunal. Déclinez votre identité. Nous sommes les serviteurs de la tisseuse que Vivek a usurpée. Dunmer, gobelins ou drogues, nous sommes tous pris dans la toile de l'araignée. Et là, elle te répond, je ne contracte pas. Oh mon dieu, quelle époque. Quel sanctuaire recherchez-vous? Mon ordre m'a fait garder le secret, mais soyez assurés que notre cause est juste. Alors, ouvrez-nous le chemin trône dans les cavernes. Et vous serez récompensés. C'est tout ce que vous avez à savoir. Et on veut gouverner. Ah là 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 là, j'aimerais savoir dans quoi je mets les pieds. Si vous pensez que la récompense n'est pas à la hauteur des risques, la fousse à plein, alors peut-être devriez-vous partir. Je suis sceptique. Bien dit, bravo. Ah, magnifique. Très bel enchaînement, bravo, bravo. Oh mon dieu. Oh, ce halo de lumière, c'est joli. C'est une clairière. Oh là là, ils sont pieux ces messieurs, dames. Ça, c'est des trous de balles, ça aussi. Pas de boogie woogie. Allez, c'est parti. Je n'ai rien entendu. C'est pieux. J'ai failli me planter dedans comme un gros idée. Bah alors, on veut déjà. On veut déjà se faire planter. Des sous-chauds, des piéchettes. J'aime beaucoup ce donjon. J'ai envie de penser à un donjon de très bas niveau, mais c'est toujours. L'environnement est très sympa, j'aime. Ah ouais. Bah d'ailleurs, c'est le genre de caverne où on peut avoir des Spriggan qui nous arrivent dans la planche, là, des espèces de femmes. Et ouais. Après les corses de bois. Les esprits de la marque. Aïe, ouais, aïe, aïe, aïe. Break ta balle bien. Il y a un arachnide dans le cage. On s'en occupera après. Bah c'est comme tu veux. Étant en cage, il va rien nous faire. Ouais, c'est envie de tabasser. C'est quand même bien pensé le fait de récolter en tout groupé sur les dépouilles d'une seule place. C'est bien, ça évite d'avoir une frénésie de débile. Libérez les fonds. Un duel, c'est parti. Ah, c'est un bruit. Est-ce que je touche? Ah non, je touche pas. Je suis trop loin. Je suis trop loin. Oh, il y a du lila. Le loin, il y a du lila. Mais c'est pas ça. Voilà. Si, mais ça tire. C'est bon. Ah oui, que j'essaie de faire l'attaque. Je sais pas. Quelque dans une jambe. J'ai pas du tout la force. Waouh.
Ça prend presque des airs de The Forest. Oups. Je trouve le totem morbide. Ouais, quand même. Un peu, je sais pas. Et les mecs sont pas tous nus, donc par contre, ceux-là. Oui. Oh, je suis une roue là derrière. Vache, je sais pas. Merci. Yeah. GGG. Oh bah regarde. Ils ont planté Gru du coup. Regarde, si je me mets à côté, tu vas voir, c'est... il y a un air de famille. Coucou. C'est un cousin à moi, je crois. La belle. La nière de pauvre. Qu'est-ce que c'est que ce zouk? Un sac d'épices. Oh! Réquisition. Oh, des pommes! Oh, j'ai des pommes! C'est ça. Pensez pour le regretter, Jacques Chirac. La pomme est un fruit sympathique. Ah, il y a un coffre à la droite là. Tout à la droite. Il n'y a pas les... Bon bah maintenant les ennemis sont détectés. Ah bah tu veux de la bataille, pas de problème, je vais chercher le boss. Il n'y a pas de problème, je vais chercher tout le monde. Ah, je vais tous les chercher. Allez. C'est parti pour Free Fight. Oh là, oh, c'est fait comme. Et oh, mais tellement ils ont tombé les gens. J'ai pas vu, hein. C'est un stress test. Ah oui, je t'imagine bien taper sur toutes tes touches de ton clavier. C'est ça. Je laisse ma main lourde s'écouler sur moi. Et puis, toucher comme si vous faites. Eh, quoi, y'a ce petit coup sur patte là? Ouais, c'est un guerrier, il a plus de vie dans les sens que les autres. Attention à ta vie. Oui, tu as raison. Je sais pas où tu es là. Oula. C'est bon, hop. Ah ouais, t'as pas vu que j'ai fait de précision. Il n'a pas besoin de me soigner parce que les soins extérieurs ne fonctionnent pas avec mon perso. Ouais, j'ai un anneau qui me régénère quand je me bats, mais le contre-coup c'est que je peux pas être soigné par quelqu'un d'autre. En solo, cet anneau il est vraiment très utile. En multijoueur, beaucoup moins. Pour des raisons différentes. Oh, ouais. Mais après, quand je parle de multijoueur, c'est dans des raids ultra optimisés ou voilà. Pour ce qu'on fait, nous, il n'y a aucun problème. Mais voilà, si tu cherchais à essayer de me soigner, sache que c'est pas utile. Ouais, ouais. Ouf, j'en ai des armures maintenant. Santé maximale. Ah non, c'est mieux comme ça. Oh là là, oh les trucs.
Ceinture de proupoute. Vive. Ceinture de babybel. La pierre de Mundo, c'est si simple, la résistance plus critique. Allez, vas-y, go. Oh là 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 là. Oh les machins. Expérience. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est équivalent. Moi je préfère gagner de l'expérience plus rapidement. Oh, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ah, on va partir là-bas. Ah oui, tu es au sommet du... Oh, pour déclencher des flammes. Non, c'est moi. Ah. C'est juste moi qui fais le malin, c'est tout. Tu es très fort, tu m'as bluffé. Ça va. J'ai compris, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que... C'est simple, t'es devenu le roi des gobelins. Un point. Bah maintenant tu vas marcher sur le Mordor et affronter Sauron. Ah oui alors. Voilà, c'est parti. Allez, tous en cadence, la danse des laines. Je mets les doigts devant, je mets mon les pitié. On fait les bandes de rondier. Oh, c'est trop bête. Oh, c'est des grands sacs de beurre de yak. Sac à fromage. Mon dieu, je vois dans Skyrim les géants qui... Puis c'est beau les peintures qu'ils font sur leurs vaches velues, là. Ils font des belles peintures. Dans Skyrim. Oh, je crois que je peux cuisiner. Ah, j'ai pas de poisson à couper. J'ai pas la nourriture qu'il faut. J'ai pas les boissons. Oui, j'ai tout donné au banquier. C'est pas grave, ça une autre fois. Mais ça me mérite d'être là. Oh, du bois. Non, je peux pas. Non, il n'y a pas de bois à couper. Oh là là. Mais qui fait dans les champignons, le gobelin? Je pense qu'il a besoin d'un peu d'intimité, surtout. Mmh. Comme nous, nous. Pas dans les bois, mais comme nous, quand même. Qu'est-ce que... Non, c'est une grotte, ça. Ouais. Une grotte ouverte. Ah oui, on va s'amuser avec toutes les troupes. Allez, 3, 2, 1, parti, peplum. Ouais. C'est ça, on va aller le chercher. Ah oui, effectivement, je peux le fermer tous les... Ah merde, tout le monde est mort, j'ai pas fini de faire tous mes sorts. Moi je continue, tu sais. Toutes les cases appuyées comme un fou. Je me rends pas compte que tout le monde est déjà mort. Oh, cette vue, ce détail. C'est beau. Moi je peux admirer et combattre simultanément. Plus du tout. Ouais, attention, je suis sur le rebord du pont cassé. Le pont cassé. Je vais t'enlever ma boucle. Qu'est-ce que. Ah, mais c'est le... ouais, les crabes araignées là, comme dans les... C'est un essaim de crabes. Oui. Allez-y, je filoche. Bon poutrage de nous. Bisous, poupon. A plus. Bon dimanche. A plus, poupon. Merci à toi d'avoir été là. C'est rigolo. Oh là là. Là, c'est remué. Ah bah oui, alors. Waouh. Il y a un champion, cet endroit. Ah, il y en a plein là-bas. Non, je touche pas, je suis trop loin. Waouh. Pourquoi tu ne suis pas les gobelins? Ils sont pas beaux. Non, mais ils sont partis en fait déjà. Ils sont partis devant.
qui paraît être unique sur les dépôts. Alors, nous suivons. Il n'y a pas de cascade et de ruisseaux principaux. Ouf! C'est bon, oui. Je vais faire quelque chose. Ah, les gobelins, je crois qu'ils sont tous morts. Oh. T'es énervé là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Je sais, je parle mal des choses. Oh, magnifique ton saut. Ce plongeon sur la montagne. Bon, attention, parce qu'il y a le roi des crabes. Oh putain, c'est réinitialisé. Ah, celui-là, il se... c'est un peu chiant. Je peux passer sur lui et bouger. Ah, il y a une faute sur ton annonce sur Wisebot. Enfin, il y a une, il y a deux lettres qui ont été, inversées. Ouais. Ah, où dis-tu cela ? Mais sachez qu'ici, Wisebot est programmé pour vous attribuer un bolide parmi des milliers. Et milliers, le I et le E ont été inversés. Ah oui, c'est moi qui ai fait la, oui, qui ai fait la saisie, j'ai merdé. Oui, tu as raison. Oui, il faudrait que je retrouve la, ouais, l'annonce et que je la corrige. Oui, bien vu, merci. Oui, donc l'annonce, ouais, les Grand Turismo. Ok. Avec là, je reverrai ça, puis je corrigerai ma copie. Tu as l'œil, Machine Man, bien joué. Mickey. Je suis tombé dessus au pif parce que je lisais sur ton écran, enfin sur. Encore un retour Windows. Tu vas où? Salut le sage, au revoir. Oui, salut. Je suis en train de suivre le torrent en fait. Oui, mais... oh, demi-tour. Oui, je reviens. C'est la sortie. Ah merde. Oui, tu peux supprimer à la flèche. Oui. Voilà. Bon, il faut monter du chemin. Je suis puni. Ah ouais, puis en là. Alors, où est la berge? On peut faire le grand tour. Eh, c'est là où tu vois que je découvre des trucs au niveau des cascades. Chiche. Chiche. Elle est fraîche. Je vais retourner là. Je la bouteille qui douche. Ah. C'est belle cascade. Ah, il y a peut-être une manière de tester là pour moi. Si je fais un peu de grimpette. Ah non, c'est trop trop raide. Waouh, c'est beau. Ah, je crois que t'es marron, je vais un peu tôt. Ouais, bah écoute, hein, tant pis, retourne au niveau du torrent. Et puis, tu fais tout le tour. Mais attends, pour observation, je peux te trouver. C'est pas désagréable d'être à la nage, plus, hein. Non. Bon, je reconnais que ça m'apprendra à vouloir faire le mariage. Mais le départ est joli. Ah, je tiens une piste. Ah, est-ce que j'aurais dit une bêtise? J'aurais dit une grosse bêtise. Ok.
Ah, ils ont été indulgents dans la modélisation du niveau. Ils se sont dit, il y a bien 2-3 niveaux qui vont tomber la tête la première dans le même saut. Voilà, voilà. Bon. Voilà, voilà. Alors, je te laisse placer devant. Ok. Ouch. Bonne chance. Adieu. Ouais. Reviens, grosse bête de débile. Il lui restait poli. Oh bah déjà, je pense que t'es su. Par la lame d'ébène, ça y est. Nous avons trouvé l'hôtel. Pas mal la récolte d'objets. Ah, et le deuxième coffre, il est là. Vainqueur de la champignolière. Parlez à Gwyn Bandu. Merci pour vos efforts, mais nous n'avons plus besoin de vous ici. Au revoir. Le coffre, j'ai du caca dans les yeux. Je sais pas comment tu fais pour les voir. Non, c'est pas un coffre, ça. Ça, tu vois, c'est là pour le niveau de lumière. Ah. Ah, il est là. Oh, déverrouillage, bravo. GG. Waouh! C'est bon ça! Dégâts de vie. Ouais, il faut que je m'en équipe du pourpoint de l'adepte de l'araignée. Là. Ouais, beau cadeau ça, le pourpoint de l'adepte de l'araignée. Ah oui alors. Je suis surpuissant. D'accord. L'hôtel de Mephala. Vous ne pouvez pas ouvrir cette serrure. Oh. Ouais. La grande d'Aedra, la Mephala. Mm-hmm. Mais pour ça que j'aime pas les trois égouteaux qui sont dans la porte. Le mec qui se prend la grosse tête. Oui, priez-moi, je suis votre dieu. Avec cette vue. Bon, on va parler à Villa, la vilaine. Incroyable. Nous avons passé des années à chercher l'hôtel de la tisseuse. Et ces sales créatures étaient à côté depuis tout ce temps. Les cavernes sont sûres désormais. Oui, vous avez fait votre part. Tenez, voici votre récompense. À présent, vous devez partir. Immédiatement. Les secrets du sanctuaire de la tisseuse sont interdits aux étrangers. Oh oui, alors. Laissez-moi le temps de me servir un jus d'orange, madame. Accomplir la quête. Vous aviez reçu l'ordre de partir. Ce qui se trouve derrière cette porte ne vous concerne pas. Et je lui réponds, pourquoi tant de mystères ? Le secret est la monnaie d'une tisseuse. Qui plus est, ce sanctuaire contient un savoir particulier que votre esprit émoussé ne saurait comprendre. Suis-je assez clair ? Vos services ne sont plus requis. Je crois que oui, c'est merveilleux. Là, on voit que je suis allé debout. Hein. J'y joue de temps en temps. Étreinte hivernale améliorée jusqu'aux rangs 16.
Allez, rebelote. Alors, récompense, choisissez entre la boîte d'artisanat de tailleur. Je reviens, je vais me faire un café du coup. Oui, je t'en prie, vas-y, vas-y. Caisse d'artisanat de forgeron avancé. Ah, ça, j'ai pas ça. Pour fabriquer une armure de guerrier, des armures en métal. Eh, pas mal. Et la besace du travailleur de cuir avancé. Continue les objets pour fabriquer une armure d'assassin. Non, 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 elle est bien la caisse d'artisanat du forgeron avancé. Ça me plaît beaucoup ça. J'aime bien le mec qui s'applaudit tout seul là, le gars. Ça me fait délirer. Mais ça, je me suis auto-GG. Ah, oh, tempête de neige fondue. Ah ouais. Ah ouais, la tempête de neige fondue. Je mets ça où, c'est merveilleux. Tant de choses à faire. Lui, c'est ça qui requiert un bâton, je crois. Mmh. Oh, la tempête de neige fondue. Seules les compétences normales peuvent être placées dans cet emplacement. Ah oui, c'est un truc complètement craqué. D'accord. Ah, mais c'est extraordinaire. Alors attends, comment ça s'appelle le coup de... Merde, ils disent pas le nom de l'attaque spéciale. Il faut que j'aille dans les options définir une touche. C'est un poil technique mais nécessaire. D'ailleurs, j'ai même pas lu mon courrier, mais je crois que j'ai rien de nouveau. Hein. Voilà, voilà, zéro lettre. Me voilà rassuré. Attendez, attendez, attendez. Inventaire personnage. Outil à couronnement, caisse à couronnement. Bah échappe, alors c'est le grand grand menu. Oui, c'est ça. Commande. Oh vache. Où vous doudou? Où est-ce que je trouve ma super attaque dans le lot de... Attends, combat. Compétences, blablabla. Ah, l'ultime, là, là. C'est bon, ça va, c'est assez logique. Je veux dire la touche retour correction. Je peux. C'est déjà le raccourci principal pour interagir avec un joueur. Oui, associé. Ouais, ouais. Interagir avec un joueur, excuse-moi, mais interagir avec un joueur, on va mettre quoi? Oh la vache, la question qui tue. Je sais pas. Pause. Voilà. On appuiera sur pause. Parce que ça fait une pause quand on interagit avec un joueur, non? C'est bizarre, on les voit en train de prier. C'est magique ce jeu. La 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 la. Les objets. Oh là là. Ah. Ah oui, c'est nous que je m'équipe de ça. Je vais être beaucoup plus puissant. Je vais être beaucoup plus puissant. Oh, cette image. C'est magnifique. Un vrai tableau. Ah oui, rebois un coup. Oui, ange de lumière, tu as raison. C'est vrai. C'est un passage. Ah non, c'est du truc cramé. De loin, on aurait cru que c'était une entrée de grotte. Une sous-grotte. Pas dégueu, je me suis offert un litre et demi de jus d'orange. Ça va de faire le point de vitamine là. Pas dégueu. Pas dégueu, pas dégueu le jus d'orange. C'est bien, ça change mes
Le plaisir de l'autre boisson. Là, ça va, tranquille, la chamane. Qui est sur le rebord du pont. La 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 la. Ah, je dis, il y a des choses cachées par ici. Ah, tellement de verdure, ça cache des choses, non? Allez, au gerbe. Ah, mon. Ah! Le revoilà. Je me promène dans la grotte, moi je suis en pleine lune, mais c'est beau. Ah c'est bon, bah en fait on va prendre le chemin que t'as. Je suis où déjà? Je suis là. Ah dans le ruisseau? Ouais. Pour sortir. Presque faire un pique-nique. Ah oui, on refait surface là, ça grimpe. Oh la grimpette. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouch, ah bah c'est pour mieux redescendre. Oula, mais c'est un coup. Allez, saute. Proche. La lettre de vie là. Comment ça? À ceux qui servent, votre heure est enfin venue. L'emplacement du sanctuaire de la Tisse a été découvert. Le seul poignet de beau et de sorcellerie nous sépare désormais de son triomphe. Nous vous appelons donc à joindre vos frères de la Toile sur la vallée située au nord-ouest du temple d'Iliath. Mais prenez garde lors de votre voyage. Les cendres assaillent le temple et n'hésite pas à s'en prendre aux étrangers. Ouais, la veuve. Lila la veuve. Ouais. La prière des résolus. Prière des résolus, béni soit le nom de Stendhal, dieu de la clémence, il renforce et c'est résolu par sa sagesse et ses bénédictions. Il nous convie le jour à manier l'épée pour renforcer notre corps et la nuit à prier en son nom pour renforcer notre âme. Il prend pitié de nous, ses humbles serviteurs, et nous accorde sa clémence. Sa lumière sainte de vérité chassera les forces des ténèbres et fera pleuvoir la justice sur les abominations d'Aedric. La gloire est sienne à tout jamais. Que voulez-vous? Ah, concernant la lame d'ébène. Ouf! Livre découvert et il y a beaucoup de lectures. Attends, ah oui, il y a des pages à tourner. Alors, longue lecture, là tu peux te refaire un autre café où t'as le temps de le siroter. Ouais, je suis en train de chercher le prochain donjon, c'est pour ça, j'en profite. Non, je t'en prie, j'ai un bouquin à lire. Concernant la lame d'ébène. Voici un message de la mort à Tong, intercepté et retranscrit pour son entièreté pour les conjonctures qu'il contient sur l'artefact d'Aedric appelé l'âme d'ébène. Avant de commencer, permettez une déclaration liminaire. La princesse d'Aedric Mephala et ses adorateurs estiment avant tout les arcanes. Vous finirez par l'apprendre. Pour Hermaeus Mora, la connaissance est une arme, mais Mephala ne s'intéresse qu'aux morceaux de choix, les connaissances cachées secrètes. Les différents artefacts d'Aedric associés à Mephala partagent cette disposition et aucun davantage que la lame d'ébène, dont on sait peu de choses. Les archives de la Tong elle-même sont en désaccord quant aux propriétés qu'arbitre le métal de la lame. Quand je vais vous faire part de ce que je sais, en échange de quoi vous accomplirez votre première mission pour la guilde, j'espère que les fleurs d'or sont une base d'opération à votre convenance.
Votre chambre est l'une de mes préférées, chaude et sèche. Pour commencer, la lame aurait attiré l'attention de la Moratong en cette décennie du moins, lorsque notre frère Andra l'a pris à Révis, un autre frère. Révis gardait la lame cachée depuis des années en secret, même de la Moratong. Comment Andras perça-t-il Révis à jour ? Il emporta ce secret dans la tombe, mais ses gardiens murmurent que c'est la tisseuse elle-même qui lui en avait parlé. Même la tongue ne saurait définir le lien entre la lame et Mephala, qu'il s'agisse d'une extension de sa forme physique ou d'un réceptacle de son essence. Mais elle est importante à ses yeux et par là même aux nôtres. Ensuite, Révis était un mage ambitieux et l'un des plus puissants que comptait la tongue. Et il était hors de question qu'Andra quitte sa cachette avec la lame d'ébène. Ils se livrèrent un duel et lorsqu'Ombras fit couler le premier sang avec la lame, sans pour autant tuer son adversaire, il fut surpris que Révis ne le baigne pas dans une sorte de feu. Il est possible que la lame puisse réduire un mage au silence, endiguer le flot de la magie ou simplement l'absorber. Troisièmement, Révis était adroit avec une lame et plus aguerri qu'Ombras, mais ce dernier maniait la lame d'ébène. Et les blessures qu'il subit se refermaient d'elles-mêmes au fil du combat, quand Andras portait ses entailles moins précises. Une propriété restauratrice de la lame peut-être. Pardon. Quatrièmement, les dernières paroles de Révis furent le « Quoi ? La vampire sonnera notre mort à tous ?» Andras pense qu'il parlait de la lame et que Révis l'avait cachée par peur. Je pense même les plus vulnérables de la Moratong sont prêts à dire n'importe quoi au pied du mur. Je n'ai jamais hésité pour ma part. Enfin, Andras a récupéré la lame, présenté un rapport détaillé à ses supérieurs, puis tenté de les tuer. Il n'en épargna qu'un seul. Ses actions ne répondent à aucun motif mobile ou raisonnement visible. La dernière fois qu'on l'aperçut, ce fut au troisième étage des Fleurs d'Or. Rapportez-nous la lame d'ébène, qu'Andras l'accompagne ou non. Cherchez un donneur avec une cicatrice sous l'œil gauche. Eh bien, étrange ouvrage et étrange témoignage. C'était un reportage par le sage de Nancy. Ah à vous le studio. Ah, fricassé de Buffalay. Alors. Oula. Ah oui, t'es déjà parti dans un donjon, c'est ça? Non, pas encore. J'ai pris la sortie, mais je suis à 3ème file. Je regarde ce qu'on peut faire. J'ai pris la sortie. Je sais pas si j'ai bien fait. Non. Ah, t'es reparti pour un tour. Ah mon dieu, non, je cours. Voyage rapide jusqu'à un joueur. Téléportation. On va faire un endroit. J'aimerais bien un donjon public, mais j'arrive pas à savoir lequel on pourrait faire. T'es allé dans quelle zone jusqu'à présent dans le jeu? Alors là, tu me poses une colle. Je voudrais pas non plus te spoiler trop les zones si tu veux les faire toi de ton côté. Ouais, j'aime bien. Oh mon dieu, cette fusion de personnages, quelle horreur. Oh, j'ai vu des choses, oh mon dieu, au secours. Je détourne le regard, ça fait peur. Les zones. Alors j'aime bien Vivek. Merde, j'ai appuyé mon cheval alors que je voulais faire usage de la carte. On a pu te couper. Bon, fidèle de ce. C'est bon, il y a un cheval de trait. J'aime bien les chevaux de trait. Carte. Est-ce que je peux te. Alors là, je suis perdu. Fais clic droit sur la carte pour dézoomer. Ouf. Oh. Ah oui, bah là, ouais, là, t'as dézoomé. Alors, ah, si tu dézoomes planète... encore, tu peux voir les plans d'Edric aussi. C'est ça. Waouh. Retournons en Morrowind. Pouk. Comme ça, je regarde ce que t'as pas fait. Ah. D'accord, donc il y a un donjon public chez les Dwemers. À Vivek, enfin pas Vivek, mais à Vardenfell. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Ah bah oui, moi je te suis, moi.
Ok. Non, je vais me téléporter. Bah, c'est... Ah, toi, t'as... ouais, non, ça va être compliqué de te le dire, c'est quelques décalages. Oui. Je vais attendre que tu apparaisses sur moi, ça sera plus simple. D'accord. J'attends ton signal et je me téléporte à ta position. Là, il me dit que t'es à Van Versfeld. Ouais, voilà, parfait. Aya, téléportation. Magie. Est-ce que j'ai encore les bonus, moi? J'ai plus le bonus d'XP. C'est une honte. Quand t'es parti faire ton café, moi je me suis reprogrammé une touche pour pouvoir faire ma compétence ultime. Ah, mais c'est deux. Bien ça. J'en ai deux, en fait. Je vais pouvoir basculer de l'une à l'autre. J'ai complètement pas craqué. Ah, je crois qu'il va y avoir une trotte à faire. Cheval! Non, non, non. Ah bon, pas du tout. Bon, tu peux venir à cheval si tu veux, hein. Je pense que je suis plus rapide à pied que toi à cheval. Eh bien, bravo. Alors, le chercher qui a été plus dans l'ordre, premier. Hop là, accélération. Ouch, ouch, oulala. Non mais oula, c'est n'importe quoi. C'est Bip Bip et Coyote là que t'es en train de faire, mon dieu. Ouch. Bah là, tu as le. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Vous là, aventurier. Moi j'ai plus parce que la quête je l'ai déjà faite, mais. Si vous venez piller ces ruines, vous vous réservez une cruelle déception. L'un de mes concurrents a déjà tout retourné. Que se passe-t-il, Neramo? Nous avons souffert d'un gros contretemps à cause d'artisan Lenarmen, ce pilleur de tombes de basse extraction. Il cherche un artefact, voyez-vous. Il pensait qu'il pouvait nous utiliser pour le trouver. Je suis parvenu à m'échapper, mais j'ai laissé mon tube de contrôle Dwemer derrière moi. Un tube de contrôle Dwemer? Qu'est-ce qui bricole des artefacts Dwemer? C'est dangereux. Quel est cet artefact? Le cœur de l'Orcan. Hein? Comme si une telle chose existait. L'ironie, c'est que ces ruines contiennent vraiment un objet de pouvoir. Le cœur de l'Orcan. Une relique Dwemer qu'on appelle Prisme de Ptarch. Si vous m'aidez à secourir mes assistants, à récupérer mon tube et à obtenir le prisme, je vous dédommagerai avec plaisir. Mais oui, et puis prends les outils de Kagrenak pendant qu'il y est. Non mais il est fou ce mec. Oh bah, je pense qu'on en est pas loin. Oh non. Très bien, je vais vous aider à sauver vos compatriotes et trouver ce prisme. À l'exception de gardes du corps compétents comme Vimy Lacroix, il est difficile de trouver des assistants compétents. Malheureusement, nous avons été séparés pendant notre fuite. Je vous suggère de commencer à la chercher à notre campement, dans les ruines. Qu'est-ce qu'un prisme de Drat? C'est une excellente question. Il y a peu d'études sérieuses sur ce sujet. L'un de mes collègues les moins audacieux pense qu'il s'agit d'un genre de codex traduisant les structures tonales en écriture lisible. Vous croyez que votre collègue a raison? Difficile à dire. Un codex tonal serait presque trop beau pour être vrai. Mais je ne peux pas me payer le luxe d'ignorer ce genre de rumeurs, surtout lorsqu'une crapule comme Lenarmen s'y intéresse. Oui, en gros, c'est une espèce de pierre de Rosette pour pouvoir accéder à un langage et à des connaissances, quoi. C'est ce qu'il est en train de me suggérer. Pourquoi l'artisan Lenarmen essaie-t-il de vous enlever? Parce que c'est un escroc doublé d'un incompétent. Cet imbécile ne serait même pas capable de trouver la boue en tombant dans une flaque. Il a besoin d'un érudit pour le guider dans les ruines. Voyez-vous, Lenarmen pense que c'est peut-être la dernière demeure du cœur de l'Orcan. Ouais. Alors, qu'est-ce que le cœur de l'Orcan? Ce mythe ne vous dit rien? Les prêtres vous raconteront que le dieu l'Orcan a trompé de nombreuses forces divines pour les forcer à créer le monde. Cela a bouleversé l'ordre naturel des choses, et ses confrères divins lui ont arraché le cœur en guise de punition. Vous pensez que le cœur est encore là? Ne soyez pas ridicule. Le cœur de l'Orcan relève de la pure fiction. Sauf si vous trouvez plausible qu'Auriel ait attaché le cœur de l'Orcan à une flèche avant de le projeter de l'autre côté de la mer. Désolé de vous décevoir, mais nous ne trouverons aucun cœur d'ancien dieu par ici. Vous avez parlé d'un tube de contrôle Zemmer. Qu'est-ce donc? Oui, c'est moi qui l'ai conçu. C'est du bel ouvrage, si je puis me permettre. J'espère que les brutes qui me l'ont dérobé ne l'ont pas cassé. Le tube permet de contrôler des automates Dwemer. Même un imbécile comme Lenarmen pourrait faire des ravages avec.
C'est donc l'Enermen qui l'a en sa possession ? Oui, et je suis sûr qu'il l'utilise à bon escient. Le tube peut désactiver certaines machines et en transformer d'autres en alliés. C'est un appareil bien trop puissant pour quelqu'un comme l'Enermen. Lorsque vous l'affronterez, faites en sorte de récupérer ce tube. Au revoir. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de The Elder Scrolls, à moins je parlais des outils de Kagrenak avec le cœur de Lorcan, en fait, c'est des artefacts des nains disparus, là, qu'on voit le superbe édifice, les Dwemer. Et les Dwemer sont des grands scientifiques, mécaniciens, ingénieurs, tout ce que vous voulez. Et ils ont atteint un tel niveau de technologie qu'ils ont pu, avec leur civilisation, narguer les dieux. Mais narguer les dieux au point de provoquer leur courroux et de provoquer leur disparition. Du moins sur ce plan d'existence, on va dire. Et ouais. On le voit beaucoup dans Morrowind, le troisième opus de la saga des opus en solo, là, en dehors du online qu'on est en train de faire. Et que dire. Bref, les outils de Kagrenak. Kagrenak fait référence à un nain Dwemer qui était réputé. C'est un personnage historique dans leur civilisation, puisque c'est un grand ingénieur qui a justement forgé, conçu et manipulé les outils qui étaient l'équivalent des pouvoirs divins et qui ont provoqué donc la colère des dieux. Wali Walou. Donjon public. J'adore les ruines Dwemer. Ah, j'adore. Très bon. Comme je savais, c'est pour ça que je voulais vérifier si tu l'avais fait celui-là. Ouais. Merci Nash. Je vais adorer. J'adore l'atmosphère des. Tout ce qui est Dwemer, j'adore. Bien vu. Ah oui. Ouf. Oh, papillon. Damagination. La quête, tu peux regarder un truc s'il te plaît, quand tu vas dans ton journal de quête. Oui. Est-ce que par hasard t'as la possibilité de partager la quête ou pas? Quand tu cliques dessus, t'as pas un bouton qui permet de le faire? Partager, F. Normalement tu l'as. Ça a rien fait? Bah attends, il m'a dit impossible de partager. Pourquoi? Ouais bah ok d'accord, non mais c'était pour vérifier. Ouais, c'est normal parce que j'ai déjà fait, mais je pensais que j'avais la possibilité de le faire. Oh, donc, okay. Donc, oui, tu vas me suivre basiquement en fait. Bah, du coup, je vais te suivre parce qu'effectivement, moi j'ai pas les marqueurs, j'ai rien du tout donc. D'accord. Mais c'est pas grave ça. D'accord. Bah, on aura essayé. Alors, ça, c'est le compagnon de mes rêves, ça. Les boules automates comme ça, là, les soldats de Zemmer. Je crève d'envie d'en avoir une en compagnon. Un jour viendra. Waouh, c'est couleur or. Waouh, c'est un premier carrefour, joie. Attendez, fouillons bien. Ah mais, ça fait trois fois que j'ai le Windows qui reprend la main sur le jeu, ça me saoule. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce couloir? Étage inférieur, ça mène quelque part? Oui, j'en ai bien l'impression. Oh vache, qu'est-ce que c'est que cette salle? Oh, mais c'est une bibliothèque! Y'a pas d'ennemis surtout. Ils sont où? Y'a des joueurs qui sont passés avant nous? Ouais, bah pourquoi pas, tant mieux. Bah ça permet de faire un peu d'exploration peinard copuse. Une bibliothèque Zwemer. Oh, ça peut valoir tout l'or du monde ça. Conseiller, blablabla. Bon, là, je vous lirai pas, hein, parce que je vous ai fait déjà pas mal de lectures. Mais c'est pas grave. Tu m'avais dit qu'à chaque fois qu'on ouvre un livre, on en a une copie dans notre interface, c'est ça? C'est ça. C'est très bien. Je sais pas si elle est active tout de suite. Parce qu'en fait, t'as deux choses. T'as la bibliothèque de Chalidor. Tu sais, c'est les bouquins qui ont un aspect mauve quand tu les as jamais lus. Ça c'est la bibliothèque de Chalidor. Et une fois que t'as fini toutes les quêtes de la guilde des mages, débloque en fait la mémoire Eddie quelque chose. Eddie Murphy.
Non, mais je vais la retrouver parce que ça va. Eidétique, ben c'est ça. Mémoire eidétique, en fait, c'est là-dedans que tu as absolument tout que tu lis. Que ce soit une affiche de d'avis de recherche ou un bouquin. Oh. Ou une sépulture. D'accord. Enfin, un épitaphe, je veux dire. Mais c'est débloquable uniquement après avoir fait la guilde des mages. D'accord. Par contre, le fait d'avoir lu là comme tu l'as fait, ça garde en mémoire ce que tu as déjà fait. Je veux dire, une fois que tu as débloqué cette mémoire édiétique, n'auras pas à relire tous les bouquins que tu as déjà lus. Ils seront déjà inscrits dans le truc. Parce que... Oh, les geysers. Ouais, c'est beau. Oh, oh, oh! Sur le chapeau de champignon, carrément, ils mettent le trou. Oh mon dieu. Et là, je saute dans le vide et je te laisse te retrouver ton chemin. Oh la vache, qu'il y a des trucs en bas. Ah bah merde, j'ai fait une roulade, non. Ah bah. Je suis mort comme un caca. J'ai voulu regarder de l'autre côté. Bouge pas, attends, bouge pas, reste là. Ah non, je vais te chercher. Ouais, merci. Où est-ce que t'es? Bah comme un caca en contrebas. Tu vois, j'ai voulu voir les parcs des deux côtés. Ah merde. Et j'ai enclenché un roulé-boulé et waouh. Je suis allé voir plus près. Fallait que t'en parles pour que je commette la boulette. Attends quelques secondes. Je te vois sous une forme éthérée. Bref. Je ne dirai pas pourquoi. J'ai pas envie d'avoir honte. Hachemal veut vous ressusciter. Ah oui, je peux accepter. Merci. Je m'arrache chez elle. Merci. Tu fais quoi, toi? C'est un boss du donjon, ça. Ouais, c'est un troll. Des gros. Ouais, il est gros, mais c'est un peu une chèvre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors par contre, je n'ai pas du tout. Autant j'ai le sens de l'orientation, autant là. Bon. Cet endroit est un peu tortueux. Par contre, c'est toi qui as les marqueurs de quête pour la faire, donc. Oui, c'est moi qui dois ouvrir la voie et guider. Ok. Ok, donc. Oula, comment qu'on a ici. Je serais par là. T'es bien tenté. Oui, il y a une pierre à ramasser. Jacinto. Ah, c'est un morceau. Quoi? Oui, c'est un morceau. De... C'est un morceau à trouver sur 7. Te permettra. Oh, je vais pas te spoiler, je vais pas te là, dire. Eh merde. Oui. Ah, je pensais pas qu'on les avait essayé. Oh,
les sans faire. Non, c'est moi, c'est par plaisir que j'ai tué, c'est tout. D'accord, tout va bien. C'est comme le bal à côté, là, c'est pareil, ou pas? C'est gratuit, je sais, mais... Ouais, ça... C'est beau. Ouais. Oh, ce gaz. C'est pas moi, hein, c'est le Netch. Hein, c'est... J'ai craché, il y a un coffre. Il y a un problème. Eh bien vu. Ah, j'en ai pas. Si jamais j'ai des morceaux en trop du Théodolite Dwemer, est-ce que tu les veux ou pas? Est-ce que tu veux tous les trouver toi? Non, si tu me dis, je pourrais pas les trouver moi à force, t'inquiète pas. Okay. Par contre, ils ne sont trouvables qu'ici. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir tourner. Tourner. Peut-être trouver et puis ensuite tourner. Ah, des elfes! Mourez tous! Quoi, la boussole me dit d'aller par là. C'est quoi ça? Ah oui, papy. Oh, attends, je comprends pas. C'est un coffre ça? Ah non. Ah, oh là là, la passerelle en bois. Qu'est-ce que. Attends. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est quoi ça? Qu'est-ce que. Semblant de rat, là, ce... Ah, mais c'est un rat, ça. Regarde. Pouf, plus de rat. Oh. Bah, je peux le déplacer, en plus, dans cette oie. Des entrailles. La lumière divine. Ah, pas lacustre. Oh, oui, alors. Vache. Attention à pas tomber. Le papillon, c'est pas grave. Punaise, on a vite fait de dévisser par ici. Ah, il faudrait que j'aille par là. Doucement, vous ne risquez plus rien. Faut parler à Vimy Lacroix. Vous n'êtes pas au service de Lenarmen, n'est-ce pas? Non, vous avez l'air trop intelligent pour ça. Allez, pas de cachotterie. Les lieux sont infestés de mercenaires et d'automates. Je ne traînerai pas dans les parages à votre place. À moins que vous n'ayez le goût de l'aventure. Comment puis-je me rendre utile? Néramo veut que vous récupériez ce stupide tube de contrôle des mains de cet imbécile de Lenarmen, c'est cela? Eh bien, nous avons d'autres problèmes sur les bras. J'ai secouru ceux-là des mercenaires de Lenarmen, mais ils détiennent toujours notre chef de fouille, Kasuda, ainsi que deux autres. Je vais les retrouver. Autre chose? Eh bien, si vous vous sentez d'attaque, vous pourriez oui, l'amener des un café informations et puis sur ce prix des petits gâteaux. Dont Néramo n'arrête pas de parler. Je pensais lâcher l'affaire et partir, mais avec votre aide, nous pourrions peut-être tirer profit de ce désastre. Très bien, je vais vous aider à chercher. Nous allons vraiment le faire, hein. J'espère que Kasuda et les autres apprécieront nos efforts. L'Otael ramènera les autres à la surface. Néramo et moi vous suivrons de près. Parlez-moi des autres ouvriers ayant disparu. Comme je l'ai dit, Néramo a embauché Kasuda pour diriger les fouilles. Elle est aussi costaud que bien organisée. Je peux vous dire qu'elle m'a bien facilité la vie. Auparavant, je devais sortir le fouet pour encourager les ouvriers. Pas avec Kasuda. Ah, une amie à toi. Elle parle de fouet. Ah. Coquine. Et les deux autres? Oui, Tolidor et Tirnea. Tolidor est un elfe des bois qui a l'œil pour repérer les pièges. Tirnea est une épée à louer, comme l'Otael. Malheureusement, ils sont aussi bavards que des alites. J'espère qu'ils n'ont pas énervé Lenarmen au point qu'ils les tuent. Que s'est-il passé exactement? Est-ce que Lenarmen vous a tendu une embuscade? Ouais. Nchulefting est bourré de recoins et de zones cachées.
Nous avions franchi la moitié des ruines lorsque les hommes de main de Lenarmen nous sont tombés dessus en un éclair. J'ai réussi à faire sortir Neramo, mais il a perdu son tube durant la bataille. Vous y êtes donc retourné pour secourir les autres après la fuite de Neramo ? C'est cela. Je n'ai pas eu trop de mal à extraire Darren et Breren, mais l'Otael vous laisse faire justice au passage. On a fini par se frayer un chemin à coups d'épée. On a donné un coup de pied dans la fourmilière et maintenant, toutes les brutes de Lenarmen sont en alerte. Vous pensez que le cœur de l'Orknag se trouve là-bas ? Eh, je ne fais que travailler ici. Si Neramo dit que le cœur n'y est pas, je le crois sur parole. Tout ce qui m'intéresse, c'est de secourir nos mineurs et les protéger. Bon, je serais tout de même contente de rapporter du butin. Au revoir. Ah, Vimy, Bah, c'est, je fais référence à... Que faites-vous ici? Je ne viens pas de vous faire sortir. Service après-vente des émissions, là. Je refuse que Lenarmen me vole ma récompense. Avec notre ami à nos côtés, je n'ai rien à craindre. Que d'optimisme. Enfin, ne le prenez pas mal, l'ami. Je connais les passages secrets de ces ruines. Nous suivrons notre intrépide assistant et l'aiderons lorsque nous le pourrons. Ah, il y a un truc que j'ai pas interagi. Ah, scarabée champignon. Oula. Ouais, c'est prêt, un petit coup d'éclair de... Ça m'a échappé. Attends, je peux parler à Bray Ryan. Mon frère et moi avons signé avec Neramo pour l'argent. Nous savions que ce serait dangereux, mais pas à ce point. Si Vimy ne nous avait pas secourus, nous serions certainement morts comme des gouards sans queue. Je ne sais pas comment nous allons sortir d'arène de là. Oh, wow. C'est petit dialogue. Oh, il y a l'autre en PLS. Que les trois soient loués. Vimy m'a fait sortir. Ces mercenaires voulaient m'utiliser comme appât pour ces maudites machines d'Oemer. Faites attention, ou vous retrouverez aussi avec la jambe cassée. Au revoir. Voilà, je parle à tout le monde. J'espère que vous êtes prêts. Enchulufting s'annonce comme un défi de taille. Rassurez-vous, Vimy et moi vous suivrons de près. Enfin, pas trop près. Mais comptez sur nous pour vous soutenir moralement. Quand comptez-vous sortir de l'ombre ? Eh bien, je pense qu'on peut vous aider pour les automates et les pièges. Même sans mon tube de contrôle, je reste un aventurier efficace. Ensuite, une fois que nous aurons récupéré la tige, je pourrai vous aider davantage. Nous devrions pouvoir rallier ces automates à notre aide. Au revoir. Aïe aïe aïe. Voilà, attends, la quête dit... Faut que je me barre là-bas. Attends, il y a plusieurs trucs. Attends, est-ce que je suis le bon truc? Pas sûr. Ouais, t'as le marqueur qui est complètement en blanc, c'est ce qui est actif. Ah, c'est vraiment ce que tu tues activement. Ouais. D'accord, alors on repart de là où on était en fait. Ouais, raccourci! Si seulement pouvait y avoir de l'eau en bas, je me jette très bien, mais comme c'est du dur, je vais encore mourir. Saute, je te rattrape! Ne crains rien. Fais-moi confiance. Une dernière fois. Ah! Quoi? Bah, l'assaut était terrible et j'ai fait un roulé boulé non maîtrisé. Ah, c'est la peur, ça. J'ai besoin de soin! Dispersez-vous! Oh! Comment qu'il a flambé, lui? Il est devenu un. Oh là là, un tas de cendres. Je crois qu'il n'y a pas un seul joueur. J'ai croisé personne encore. Je te suis, donc je sais pas. Ah, il faut que je parle à Tender. Ah oui, merde, faut que je. Oh, j'ai pas vu qu'elle était. On leur avait sauvé la vie, enfin, littéralement. Gare aux évents à vapeur devant nous. Ils sifflent toujours avant de souffler, d'accord? Bonne chance, je dois m'en aller. Oui, il était entre les mêmes unités là. Tu n'avais pas fini. Alors attends, la boussole dit quoi? La boussole, c'est me dire vouloir aller là-bas. Mmh. Bah merde alors. C'est quoi le délire? On voit bien l'icône là. Bon.
Non, sérieusement, là, je comprends plus. Faut qu'on fasse le tour. Ouais, de toute façon, faut qu'on tourne, donc... Qui te fait revenir derrière ? 4 secs, on est arrivé par là, ouais, donc faut qu'on avance. De toute façon, on n'a pas tellement le choix, donc. Ouais. Il va falloir qu'on se mouille. Pour surveiller qu'à un moment donné, tu es bien... Oui. Le... marqueur qui se met à jour. Mmh. Alors des fois en regardant directement sur la carte, ça peut donner des indices sur où se trouvent les, mmh, les choses. Aussi. Ouais, le lieu, ça dessine une certaine logique. Je suis pas capable. Je pense que... Ah, j'ai entendu les cagoudis. Les cagoudis. Il y a pas mal en revenu les cagoudis. Des choses avec la cour. Des armures de l'armure légère. Les slip. Aussi. Les cagoudis. Mal. Se blesser. Ouais, bon. Ça me fait plus rien. Oh merde, je suis trompé de cible. J'ai pas fait exprès, je te jure, cette fois-ci c'est vrai. Bon, c'est terrible, c'est le jet de gaz qui expulse au moment de son agonie. Terrible. Oh, je peux pas interagir, c'est bizarre. Ah, j'étais pas assez proche. La carte elle affiche quoi s'il te plaît? Alors qu'affiche ma carte? Grande question. Voilà, voilà, voilà. Voilà, tu vois, regarde, ça a changé. Le marqueur il s'est mis à jour par rapport à mon site. Mmh. Du coup. Ok. Alors ne pas tomber. Est-ce que tu as... Ah, j'ai l'impression qu'il y a une flèche sur ton ta boussole maintenant, non? Oui. Oula, il y a du monde. Ça y est. Oh, il y en a encore. Oh, c'était avant. Waouh, c'était terrible. Merci beaucoup, le mec. Ça se répare là-bas. Oula, il y a pas de monde. Oula, il y en a là-bas.
Ouais, il y a beaucoup d'ennemis sur toi. Bon, ils sont un peu faibles, hein. Alors, bah... Si tu vas voir, regarde. Pas quoi, tu... Si, si, regarde, il arrive. Ah, oui. Oh, il balance des crabes. Putain, il m'a balancé des crabes. J'ai vu ça. Comme j'ai jamais vu ce crabe. Oula, attention, on s'est plus rien là. Ouais. Ça lui prend zéro les centuriens. Non, c'est une chef aussi. Non mais ça va dans l'ensemble, c'est, plutôt... c'est abordable. Vu que c'est public et que tout le monde peut y entrer, le niveau global il est vraiment... Ouais, tout le monde peut être tranquille. Ouais. Ah, on a trouvé la Miss Ficelée. Qui que vous soyez, merci. Miss Saucisson. Narmen s'est enfoncé dans les ruines. Vous pourrez l'attraper si vous vous pressez. Je dois retourner auprès de l'expédition. Ne ménagez pas ces brutes, d'accord? Ouf! C'est la Légion des Centurions. Petit peu d'exercice. Est-ce qu'on te regarde faire un 1v1 ou pas? Ou un 1v2, comme tu veux. Ouais, ouais, je sais pas. Il y a peut-être pas. De toute façon, j'ai plus les sorts aussi. Je vais pas aimer. Parce que pour l'instant, ils sont en train de mettre un petit peu la misère. Suivant. Ah ouais. Yeah. Bien joué. On fait des pièces détachées. C'est joli les fleurs que je génère. C'est bien. Joli champ de fleurs. C'est par où la suite du coup? Je sais plus quoi, attends, je nettoie la zone et puis on vient les trouver ensuite au niveau de la douceur quand même. Ah oui, il est tout un peu plus. Je sais par là-bas en fait. Attends. C'est qui tire sur tous les crabes hein? Oh, mon inventaire est plein. Incroyable. Ah. Tu veux quoi? Ah bah tiens, je te présente mon nouveau PNJ. Oh. Oh.
Boudoudiou. C'est un élémentaire, non? Vergila. Oh, génial. C'est un Atronach. Et c'est le marchand. Waouh. Vendre. Ah, bien. Oui, alors les arcs. Comment ça, je peux pas vendre? Si. Je tire pas à l'arc, moi. Ouais. Augmente le prix de vente de l'objet de 280%. Ah! Ah, c'est vicieux ça! Attends, c'est le moment opportun, moi, de le porter le machin, puisque je fais de la vente. Attends, voir. Attends, qu'est-ce que c'est que ce délire? Il est où le truc? Ah, c'est énorme! T'as vu ça? Augmente le prix de l'objet de 280% à la vente. Ouais, mais voilà, ça c'est pas non plus énorme, mais ces objets-là, en général, faut les vendre. Pas ouais, tranquille. Pas pour tranquille, pour gagner plus de sous. Mmh. Donc là, oui, là, je lui vends des trucs, parce que je veux me faire de la thune. Ouais. Alors, bougez pas. Augmente le prix de vente de l'objet de... Ah, même le chapeau! Je peux cumuler, je présume. Ouais, tu peux tout ce qui est. C'est un. C'est un enchantement, mais c'est un trait qu'ils ont et. Et. Ils sont uniquement destinés à être vendus en fait. Je vais m'habiller du. De l'armure complète du Cupide. Oui, j'ai aussi les bottes qui vont avec. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Mais non, c'est à vendre, c'est pas à mettre sur toi, c'est ça, parce que ça a pas de stats vraiment intéressant. Bah, excuse-moi, regarde, je lis augmente le prix de vente de l'objet de 280%. Oui, parce qu'il est orné, c'est l'item qui vaut 280% de son prix habituel. Ah! C'est pas le fait wow. De. C'est pas parce que tu le portes que. non, c'est des objets qui sont. Que tu vends plus cher en fait. Oui. Oui, merci. Non, mais heureusement que tu es là pour m'expliquer parce que le mec qui prend pas le temps de lire ou qui interprète mal, tu vois, c'est tellement riche en contenu que tu perds. Mais vraiment, c'est l'impression qu'il faut bac plus 5 pour faire ce jeu. Et encore, je suis gentil, je vais dire bac plus 50. En soi, c'est des items qui n'ont aucune valeur, sauf qu'ils ont plus de 180% de prix de vente. Mais c'est tout. Sinon, ils ont rien. D'accord. Ah non, je préfère rajouter la magie. Donc, on y retourne. J'ai quoi? Je suis là. Oh, j'ai encore de la marge. Oh là là, il y a ces trucs. Ah, faudrait que j'essaie une alchimie, ça. Santé maximale. Oui, j'avais fait un chapeau artisanal, mais je peux le revendre. Châssis tolique et zoneur, d'accord. Une de vasseur sur le modelage, saturage vent, déchets de mer. Oui, j'en travaille, je m'en fous. L'épée, je m'en moque. Les épices, je vais garder pour la cuisine. Fricassé, c'est du miam. Oh, bien. Waouh! Ah, ouais, sacré bonus de vie pendant 35 minutes. Ce sera pour la prochaine partie. Un verre et une voiture. Gant artisanaux, je m'en moque. J'ai de la cuisine. Ouais. On sait jamais. Produit en poison niveau 3. Non, mais je vais garder. Hache de bataille en acier, je m'en moque. Ouais, ça je peux garder. Un sac à pas de là, je m'en fous. Oui, ça c'est pour la potion. Oui, les glyphes, faut les garder. Les pierres d'âme, faut les garder. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Merde, j'en ai. Zimis sont en train d'apparu. Oh là là. Non, vous avez déclenché un peu de dans la mode du...
Oui, ils sont sur. Alors, suite. Donc, j'en étais à. Ne perdez pas espoir. Alors, melon, araignée, tatatata. Oui, alors les gemmes. Poisson, c'est pour faire de la bouffe, les pommes. Alors, préparation de table des elfes, je sais pas quoi. Oui, non, je peux garder, ça a l'air pas mal. Robe en lin, je m'en contrefous, surtout qu'elle a aucune propriété. Les solvants, les machins, la viande rouge, jouer, je peux garder. Anneau de virtuose. Attends, réduit le coût de vigueur en. Augmente la santé maximale de 888. Ah, oh, je vais peut-être le garder, on ne sait jamais. Bâton de prout. Ouais, fait des dégâts de givre, il est pas mal. Ah, alors attends, ça c'est un niveau beaucoup trop bas. Niveau 7, je vire. Niveau 8, je vire. Ça, bof. Non, niveau 12, c'est trop. Collier de famille, augmente la santé de peau de prout. Cuirasse magique. Épée profanateur, je garde. Épée longue. Oh non, je peux tout garder. Fusil, 8 coeurs, inflige des dégâts de feu. Ou alors je garde l'épée de feu, si jamais. Entraînement. Mon expérience. Ah oui, non, ça faudrait même que je m'en équipe d'ailleurs. De prière. Grande prière, bof. Ah, rajoute de la magie maximale quand même. Ouais, tant pis, non, allez, je les vends. Bien respirer le lag. Ouais. C'est vrai qu'il y a des bons trucs, mais. Là, je peux vivre. Magie. Ce billet-là. Et ça, je peux vendre. Foudre mirable, épée d'onde de fer. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Et ça, je peux pas vendre. Non, c'est bien, j'ai vendu 40 trucs. Bon, bah c'est bien, merci Nashaman. La suite, la suite, la suite. Ouais, de Suisse. Oh, j'avais pas. Oh mon dieu! Il est sorti comme un diable de sa boîte, le sorturien. Je peux pas lui venir. Ah, le coup de surprise a été réussi, il m'a fait quitter. Poum. Ah, comme tout, il est sanctionné, il s'appelle le sol tremble. Du coup, quel est ton. Voilà la carte, s'il te plaît. Faut que j'aille à la porte. Ah, d'accord, pardon, j'avais pas vu. Les douves. Devons j'aller aux douves. Voilà pourquoi. C'est quoi au fond là-bas? Ah, il y a des. Il y a un petit boss là-bas. De l'autre côté. De l'autre côté? De ta position, ouais. Et c'est un cul-de-sac, donc. Ouais. On les affronte, et puis après on fait demi-tour. Tu as raison. Ça fonctionne à la fin de la peur. Non, sérieux, c'est quoi ce naze? Non, mais ça me fait. Ça a été expéditif. J'ai. Tu veux savoir combien de temps on a gagné? Une heure. Non. 16 secondes de combat. Oh. Attends, un petit jeu de dégâts de magie en rentre 5 minutes. C'est pas mal ça quand même. Ah là. Ouais, dépenser les points. Alors, il me suggère quoi? C'est quoi une question? Ah ouais. Au moins, la curation de magie de 2%. Ah, pas mal! Ah ouais, complètement. Complètement, évocation totale. Waouh. Kebab. Et il y a des choses à récolter sur les dépouilles. Witch.
Ah, ils sont bien au PLS. Donc tu me disais c'est un cul-de-sac, et pourtant on a des portes. C'est fou ça. Mais elles sont condamnées. Il y avait un contenu additionnel dans Skyrim où on dénichait une runeswemmer qui était encore opérationnelle. C'était la qualité exceptionnelle de cette runeswemmer. C'est que tout était presque en état et il se passe des trucs en fait. Et à la fin du pillage du donjon, on gagne un énorme bonus. On a choix entre plusieurs artefacts Zwemer et c'est tout pour craquer. Ah oui, c'est le. J'étais en train de chercher, c'est le. Ah oh, putain, l'Ethereum. Oui. Effectivement. Très bien, bravo. J'ai oublié le nom. Ouais, c'est une belle suite de quête ça. Ouais, magnifique. Ça en met plein la vue. Les ruines. Putain, le jour où j'arriverai. Enfin, j'arriverai non, quand je me remettrai à le modder et à le streamer. Je vais me faire plaisir. Ah oui. Je vois des choses en face. Oui. Chargez. D'accord. D'accord. Je me mets plus derrière devant toi. Plus jamais. Ah mais ils sont tous morts. Bien joué. Oh, il y a des trucs de là, putain. Moi ça me fait tellement penser à Dwarf Fortress. Seigneur bronze point. Ben dis donc, il est tiens au bronze point. Oh, cette lave. Là, je te pousse dans la lave. Non, oui, non, là, j'ai pas intérêt. Ouais, à faire un roulé-boulé malheureux, je fous que j'ai mis. Oh, j'ai gagné un niveau. Ouais, yeah, j'ai gagné. 1169. Tireur d'élite, bronze pour eux. Ouais. Juste morte en fait. Chambre de l'intervalle de métrique. Alors la suite c'est où dans tout ce raffut? Je crois que c'est en bas, ça va être en bas. Je sais pas, j'ai pas le marqueur donc Le cœur de Neuschmeng, mais non, on ne dit pas d'y aller. Ah merde, oui je suis allé. J'ai mis tour. Rentre-y quand même, au cas où. Ah non, non, Comment ça va? Il y a un autre accès. Ah. Il y a un autre accès. Sur la carte, qu'est-ce que ça t'indique? Ça, je regarde en même temps. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on aille de l'autre côté, en fait, tout simplement. De la mare de la. Usain Bolt. Ouais, c'est plus grand qu'il n'y paraît. Chiche pas, chieux. Cet endroit est un peu complètement tortueux. Ouais. Ça va dans tous les sens. C'est quoi ce truc? Oula. Ouais. C'est plus rapide que le métro. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est plus rapide que le métro. Ah.
En même temps, avec cette attaque, j'ai automatiquement un critique. Oh. Donc, je me dis, pour le début du combat, c'est pas mal de leur mettre un petit critique. C'est vrai, c'est vrai. Oula, t'es où là? T'as pas beaucoup. Oui, je suis là, mais ah, il y a du monde. Merci. Ah, les deux pommes. Oh, c'est cette porte-là. Oh, il y a un truc à cueillir. Noctuel. Ouais, t'as vu ça, c'est beau. Ouais. Et puis de lave. Ah, la zone est très très grande. Effet glaçon, parce que c'est beau avec des fleurs. Ok, bon, bah, continuons. Hein. Là. C'est un Pokémon de type chien. Il a tendance à réparer un peu tout ce qui bouge autour de lui. Oh, j'ai plus ma nourriture, tiens. Pose casse-croûte. Hop, où est ma cuisse de poulet? Là, voilà. Voilà, c'est mieux. La carte dit que il faut aller dans un sens en particulier, du coup. Ce serait par là-bas. D'accord, bon bah continuons. Comment cool, t'es tombé comme quelqu'un. J'ai adoré. Allez, baston, ouais, vas-y, dash, trop bien. Venez, comme on l'a dit. Ah, moi, je me chante, je charge. Je charge. Des trucs en bas. On peut descendre. Ouais, mais pas du tout. Merde! Salut! Ah merde, parce qu'il faut que je parle à un personnage. Donc, attends. Oh putain, l'oratoire. Ah, ça va chaque côté. Ouais. J'arrive. Kasuda! Par devant, hein, j'arrive. Je commençais à perdre espoir. Lenarmen nous a devancés. Il lutte encore contre la tige de contrôle de Neramo. Je crois que je parviendrai à rentrer. Soyez prudent là-bas, mon ami. Ah non, ça. I'm back. Merde, c'était trop. Ah, que tu es tombé dans les lames. Ben. Non. Dans les lames, pas tout à fait. Je suis en bas, c'est bon. Je suis pas mort. Oh, ils m'ont eu.
Ah puis alors là je peux même pas te rejoindre. Trop loin en bas. Attends, je vais revenir à la vie et remplir une gemme ou revenir à la vie avec oratoire. Mets-toi avec la gemme. D'accord. Si jamais il faut t'en donner, de toute façon je t'en donnerai. Ah j'en ai pas mal en paquet, mais merci. À ta vie. Oui, j'essaye de lutter. Ah, dommage, j'ai perdu le duel, c'était si proche. Ouais, n'hésite pas à utiliser ton sort de soin au sol directement pour toi. On n'est pas loin. Oui, oui. Je te vois. Je l'attaque et qu'il court, il me méprise. Ouais, je te rejoins, Nash. Bah voilà. Hello. Faut que j'aille là d'après la quête. Ah bah voilà. C'est moi. Contrôle. Attends, il y a la quête. Il a touché un tuyau et tu dis. Ah, elle a désarmé le piège. Elle est maligne. Ah bon? Oui, elle a désarmé le piège, Vimy. Hop. Vimy! Je suis passé. Bah, je peux pas interagir avec Vimy. Non, parce qu'il faut que tu récupères le tube de contrôle. Ah, il est brisé, faut le restaurer. Ah. Oui, non, il s'est barré la vilaine. Ok. Et bah, il est. Mais t'as encore gagné un niveau, t'es 17. Mm-hmm. J'avais pas vu. On a joué. Mais qui Attends, la poussée me dit quoi? Ouais, c'est bon. Je sais pas, on va voir. Ensuite c'est par là où... Okay. Ouais mais moi je crains plus rien, enfin au point où j'en suis des fois je me jette dans le vide exprès pour prendre des raccourcis parce que j'ai beaucoup de PV donc... Thank you.
C'est toi qui déclenche le truc au sol? Oui. D'accord. Bah, pourquoi je peux plus interagir avec les dépouilles? Ah non, merde, j'ai pas trouvé ça. Pardon. Bah non, t'es pas obligé d'avoir ton sort pour interagir avec les dépouilles. Quand je l'amorce aussi, je suis condamné à cliquer au sol. Ah, c'est bugué. D'action de mon sort. Et tant que je l'ai pas déchargé, je peux rien. Ah, d'accord. Oh, une pièce céleste, énorme. Waouh, 1 de 3. Ou 1 sur 3. Attends, je comprends plus. Que me dit la carte? Je suis perdu là. Il n'y a pas une porte sur ma droite? Si, c'est là, c'est ça. Oui, si, c'est ça. Ok. En avant. L'escalier, oui, c'est parfait. Nickel. On a un sas. On a un... Ah non, on a un personnage avec qui interagir. Oula, qui c'est que ce délire? Neramo. Bon travail pour récupérer cet appareil. Il est si difficile de trouver de bons employés. Ne le prends pas mal, Vimy. Et maintenant, la tige de contrôle, s'il vous plaît. Voici votre tube de contrôle Zomer, Neramo. Merveilleux. Il suffit de desserrer le capaciteur, réinitialiser la tonalité fréquentielle et... Oh. Quoi? Oh, il est cassé, c'est ça? L'Enarmène a trouvé le moyen de fissurer le cristal résonateur. Je crois que c'est utilisé en plus. Ouais. Ce qui a évidemment provoqué un désalignement catastrophique de l'assemblage tonal. En d'autres mots, la baguette est inutilisable. Je n'avais jamais vu un de mes outils aussi abîmé. C'en est presque impressionnant. On peut donc pas retourner les automates de mer contre les mercenaires? Non, mais tout n'est pas perdu. Maintenant que la baguette est cassée, l'Enarmen ne peut plus envoyer les automates contre nous. Cela devrait également le ralentir. Mieux vaut une petite victoire que pas du tout. On approche de la fin. Nous y sommes presque, je le sens. Il faut aller de l'avant. Oh ouais. Elle dit quoi, Vimy? Nous avons une horde de mercenaires à nos trousses et des groupes de machines de mort d'Oemer en maraude. Mais bon, au moins on a une tige de contrôle cassée maintenant. Bon, assez parlé, on s'en va? Au revoir. La suite est là. Dans les ruines. Gros baston. Oh non, c'est ça. Dans la cathédrale de Neuschwanstein. Ouais, c'est imprononçable. On se croirait en Alsace. Oh putain! Oh, ça parle mal! Ce pion envoyé gratuitement, ils ont rien de prendre, il est pauvre. Je serais pris du bras de l'homme, c'est tout. Ouais! Retrouve derrière moi, imbécile! Allez, en train de défoncer. Vous vous soumettrez. C'est bon. Je vais admirer un peu le paysage. Et la cathédrale. Trop classe. Trop classe. Il y a presque des petits airs, vous savez, dans Resident Evil 4e opus, la chaudière du château, là, dans les sous-sols, là, la phase de la pièce avec la lave. C'est un peu l'ambiance. Petit peu. Attends, je comprends plus les interactions, là, je suis perdu.
Il me dit d'aller là. Comment ça? Pas dans la lave, il est fou. Ah non, c'est à côté. Ah, c'est cette grande porte dorée au mécanisme encore mobile. D'accord. Tiens donc. Mais où allons-nous? Waouh, ça en jette. Ah, c'est ce coffre qui meurt. Et oui, le prisme de Dark. Retournez à la surface et examinez le contenu de la chambre. Les apparences sont parfois trompeuses, ma chère Vinny. Prenons notre trésor. Hurrah. J'aimerais bien jeter un coup d'œil dans cette crypte avant de partir. Quelle trouvaille! C'est vrai que là, faire un bon vieux Skyrim. Les Dreamers ont caché plusieurs trésors. C'est tentant, c'est vraiment tentant. Quels autres indices nous pourrions trouver? Mais pas tout de suite. Un jour, faudra que je fasse Morrowind aussi, d'ailleurs. Oui, cure-t'en oui, un tu peu, pas. Nous trouverons peut-être ouais, quelque chose de précieux. Alors, le cœur de l'organe, ma dernière récompense. Il y a un bouquin là. Tu le feras sur PC, Morrowind, hein, d'accord? Oui. Tu. Il faudra que je te. Je sais pas si tu les connais, il faudra que je te mette l'info à l'occasion, j'y pense. Il y a des malins qui ont conçu un moteur 3D qui réexploite les données d'origine du jeu mais qui embellissent largement l'expérience de jeu quoi. Ah bah c'est fort probable que je fasse des choses. Oui. Je pense pas le faire. Tu peux personnaliser des trucs avec des. C'est l'interface avec des périphériques modernes qu'il n'y avait pas à l'époque. Je veux bien, ouais, je voudrais bien que tu m'envoies le lien, s'il te plaît. Ouais, je t'en prie, je te ferai ça à l'occasion, il n'y a pas de soucis. Le cœur de l'Orcan, ma dernière récompense. Oh, bah, je lirai le bouquin plus tard. Ah oh, non, ça va, il y a deux pages. Allez, il y a deux pages, rapidement. Le cœur de l'Orcan, ma dernière récompense par Artisan Lenarmen. Tout le monde connaît la légende, le cœur de l'Orcan dit à Auriel, ce cœur est le cœur du monde, car l'un fut fait pour satisfaire l'autre. Indestructible, caché, jeté dans la mer. Pour échouer sous le mont écarlate, à attendre que le bon opportuniste se l'approprie. Et aujourd'hui, je viens chercher ma récompense. Oui, c'est peut-être pure spéculation de ma part que supposer que le corps réside à Nuxlenschwing, mais mon instinct m'a déjà valu plusieurs succès. J'ai étudié de nombreux volumes relatifs à ce mythe, et tout indique que tout se trouve sous le mont écarlate. Voilà où je ferai ma plus grande découverte. Renayonnais. Je. Salut, Nayonnais. Le fait que je croie en cet artefact d'Aedric n'a aucune incidence sur ma foi envers les divins. Seul un imbécile ignore les mythes. Après tout, toute histoire contient une parcelle de vérité. Les légendes ne sont que des faits déformés portés par des proportions ridicules. Et je pense que le cœur, cet objet à la puissance immense, ce n'est rien d'autre. Un objet magique que je compte m'approprier. J'ai eu la surprise de trouver ici Neramo, l'un des nombreux idiots que j'ai croisés dans Vanderfeld. Son équipe et lui ont été assez faciles à capturer ou chasser, et j'ai trouvé la tige de contrôle qu'il a abandonnée très utile. Naturellement, j'imagine déjà plusieurs modifications à cet outil, mais pour l'heure, il m'a permis de prendre le contrôle des assemblages de mœurs. Je ne sais pas encore ce que le cœur de Lockslav peut accomplir. Peut-être sera-ce un puissant ingrédient de potion, plus puissant que n'importe quel cœur de Daedra, à moins qu'il ne confère des caractéristiques magiques comme une force ou une résistance infinie. Peut-être est-ce une grande pierre d'âme capable d'alimenter un mécanisme comme Tamriel n'en a jamais connu. Quoi qu'il fasse, il me rapportera assez d'or pour prendre ma retraite. Je suis bien trop raisonnable pour utiliser un objet de cette puissance. Cette soif-là n'amène bien souvent qu'à la ruine. Shabao. C'est bien, c'est très bien traduit, c'est du. Ah, oh, c'est très littéraire, c'est extraordinaire. Ah, pour ça, la version française du jeu est assez. Est très correcte. Très cet artefact. Encore un astrolabe Dwemer. Sans intérêt, malheureusement. Et sans valeur. Ok. Toujours. Oh, mais il n'y a plus qu'à aller voir Neramo à la sortie. Oui, les Dwemer ont caché plusieurs trésors. Oh, non, c'est le même dialogue. Je pensais qu'ils allaient continuer dans le baratin, mais pas du tout. Ah, attends, il y a un autre objet, il y a une espèce de casque de centurion posé. Et là, une tête de centurion. Pourquoi ? Sans sa machinerie intérieure, nous n'aurons pas de réponse. J'aime les questions sans réponse. Oui, oui, oui. Alors, l'autre artefact à étudier. Et... Ah, voici une gemme.
Le coffre devrait contenir quelque chose d'important. Laissez-moi deviner. Vous ne savez pas quoi, et ça n'est plus là. Exactement. C'est parfait. Ah. Encore bredouille. Enfin, nous sommes en vie. Mais oui qu'on est en vie. Oh. Malheureusement, je ne vois rien d'intéressant ici. Nous devrions quitter ces ruines, assistant. Ah ouais, il veut lever le camp et quitter les ruines, il est déçu de ce qu'on a trouvé sur place. Bah, ça pourrait faire un joli musée de Slammer, mais il faudrait protéger contre la lave. Et oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Excusez-moi, ah, t'es fait. On est en vôtre, c'est bien, mais le jeu qui me dit, allez donc parler à Nero. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un mini-golf ensemble après? Avec grand plaisir, Nero. Ah ouais, je veux bien faire mini-golf. Qu'est-ce que c'est? Oh, une pierre runique. C'est la pierre, alors il est... Géjota et tout d'accord. C'est bon, ça? Alors, on ne veut pas le grand Manitou en toge verte. Nero. Encore une expédition réussie. Il y a eu des hoquets, bien sûr. Mais quelques bleus et un membre brisé, c'est peu cher payé pour une telle découverte. En parlant de découverte, vous avez le prisme? Bon, on va arrêter sous peu, Nayonet. Ouais, bah de toute façon, ouais, je pense que j'allais te dire là. Oui, je vais te libérer, bon, puis moi, en plus tu vas nous gâter avec un Zelda ce soir. En plus, ce soir c'est un petit peu d'histoire que je vais faire, donc du coup ça devrait être plus intéressant que me voir me balader pendant trois plombes. Ah, wow, tu titilles ma curiosité, c'est cool. Alors, oui, je l'ai ici même. Voilà. Excellent. Il est content, Nero. J'ai déjà imaginé plusieurs expériences pour mettre ses capacités à l'épreuve. Vu la tronche qu'il tire. Si le prisme fonctionne. En même temps, c'est un elfe. Voilà. Tous les journaux académiques de Tamriel. Mais je les aime pas, c'est pas ma faute. Je vous mentionnerai, bien sûr. Au moins dans une note de bas de page dithyrambique. Pensez-vous que quelqu'un cherchera à suivre l'exemple de Lenormen à chercher le cœur de l'Orcan? Malheureusement, oui. Oh oui, alors. Lorsque j'aurai rassemblé d'autres experts des Dwemer, j'entreprendrai de souligner la dimension vertigineuse de l'échec de Lenormen. Mais tout le monde n'acceptera pas de m'entendre. La mystique du cœur est trop forte, voilà tout. Alors, un certain Neverarin dans le futur... Ça, parchemin des anciens pour être le révéler, mais c'est trop violent à en prendre conscience. Bon, vous parliez de partager les profits? Oui, bien sûr. Neramo dédommage toujours ses assistants. Votre aide fut précieuse. J'espère que cela conviendra. À une prochaine fois, mon ami. Vous recevez manteau d'artificier de la Vierge Guerrière et le bâton de foudre de Neramo. C'est marrant. Eh, elle joue de la dague de la croix là. Oh, une femme dangereuse. Yeah, prenez soin avec de sa dague. Je suis sûr que nous nous reverrons dans d'autres ruines. Eh madame, t'as ton 06. Vous êtes parvenu à évacuer tout le monde? Nous avons réussi grâce à vos efforts. Je dois admettre que je n'en reviens pas qu'on s'en soit sorti vivant. Darren va boiter. Je vais me téléporter ailleurs, le sage, ça t'embête pas. Oui, vas-y, fais donc. Et maintenant, Vimy? J'imagine que je suivrai Neramo jusqu'au prochain site de fouille. Il a l'air très excité par ce Ptark je ne sais quoi. Pour le moment. Dès qu'il en sera lassé, nous partirons pour de nouvelles aventures. Tant qu'il continue de me payer, ça me va. Prenez soin de vous, Vimy Lacroix. Prenez soin de vous. Je suis sûr que nous nous reverrons dans d'autres ruines mécaniques. Au revoir. J'adore les ruines. Retard. Retour. Ça, c'est du feu de camp. Ouais. Qui c'est qui a de la chaussée grillée? Une merguez, s'il vous plaît. Oh, j'ai même pas fait gaffe au linge. Ouais, bon, c'est des draps sur le mer. Je vais être honnête. J'ai cru que nous allions mourir là-bas. Je suis heureuse que Mademoiselle Lacroix et vous m'ayez fait mentir. Oh. Quant à ce maudit haut elfe. Eh bien, nous ne travaillons plus jamais pour lui. Merci le sage pour ce Il a filé dès que ses mercenaires sont apparus. Et la famille.
Merci à toi de m'avoir accompagné, c'était super agréable. Bien joué, Nash, merci tout plein. Oh, bah de rien. Et moi, je te dis plaisir à tout partagé. À l'heure sur ta chaîne. Ouais, ça marche. Bah ouais. Bonne suite. Ouais, merci. Ouais. À plus tout le monde. À ciao. Plus, à plus. Ciao, ciao. Ouais, après le tableau mystère de 20h, j'arrêterai. Et puis, genre, je te rejoindrai tout à l'heure sur Kick en soirée. Ça va être bien. Et voilà, Brian, Hélène, c'est au revoir. À côté de son linge, là, elle m'aurait dit, mais c'est beau, c'est doux, c'est neuf. Mais oui, je l'avais avec Merlène. La bonne vieille pub. La bonne vieille pub des années 90. Je sais même plus si on l'avait, cette pub des années 2000. Enfin, peu importe. Et ben, c'était cool. Je suis content. Waouh, il me reste un peu de place dans l'inventaire. Merveilleux, ça. Alors, attendez, géographie, je suis où? Je suis là? Incroyable. Waouh. Donjon quoi? Ah, donjon public. Waouh. Non, je vais m'arrêter là, je sais pas, je rejouerai une autre fois, mais c'était très bien, je suis ravi. On va aller tout doucement sur le mini-golf. Alors, quitter le jeu, récompense quotidienne, accepter les 50 sous des volontés. Waouh, prochaine récompense. Ouais, bof. Vitesse de monture, ouais, bof. Le peu que je me sers de ma monture, bof. Franchement, bof. Around. La. Bonjour à tous, sur le chat du sage. Et là, t'entends tout un groupe d'enfants qui te répond. Ouais. Exactement. Ce serait trop drôle. Alors, attends, faut que j'éclaire la catégorie, que je change de plan, que blablabla, plein de choses. Ouais,